Nous t'avons aujourd'hui. Hey, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous me barrez la route? Pourquoi vous me barrez la route? C'est comme si vous n'êtes pas normal. C'est quoi votre problème? Vous n'êtes pas normal. Très bien. Je vois, vous êtes des folles. Tu souviens, j'étais assez avertie pour mon homme. Tu continues de courir derrière lui. Pourquoi tu n'arrêtes pas tes sales pieds côté de mon homme? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit au Doka, mon unique homme. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Hein? Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc j'ai envoyé cette fille m'acheter de vivre au marché pour ne plus revenir. Attends un instant. Es-tu folle? As-tu perdu la tête? Oui, ça veut dire quoi? Un instant. Toi, qu'est-ce qui fait de lui ton homme? C'est A-t-il mon payé homme. La dot? Il est Est-il mon déjà homme, venu payer la dot? Attends, laisse-moi te dire, Udoka n'est à personne. Mensonge. Ok, il n'est pas à toi, madame. Tu te trompes. Il est libre. Dégage. Qu'est-ce que tu m'appelles? Dégage, idiote. Qu'est-ce que tu m'appelles? Idiote, tu es une idiote. Je l'ai dit. Oui, attends. Tu n'es rien. Hey. Tu ne fais rien. Et je tu vas finir aujourd'hui. Vous êtes tous des idiotes, des prostituées. Il faut la faute. Ce que vous êtes. Toi, je vais vous frapper aujourd'hui, je ne vous lâcherai pas. Vous allez voir, je ne suis pas votre ami. Vous ne me connaissez pas, je ne suis pas votre ami. Ne bougez pas, je reviens. Je reviens. Où est-ce que vous allez? Revenez. Revenez des idiots. Timon. J'aurais peut-être à lui donner une carte géographique. Comme ça, ça lui servirait de référence. D'une fois au marché. C'est magie ordinaire qu'une petite fille peut trouver facilement. Ma fille est incapable de m'en acheter au marché. C'est quelle bêtise, ça! Les enfants de nos jours, tu ne peux pas les renvoyer quelque part et t'attendre à ce qu'ils te ramènent exactement ce que tu veux. Vraiment, c'est très compliqué. Nous n'étions pas comme ça à notre temps. Mon Kwaka. Né. Bien. D'où viens-tu? Pourquoi tu as autant traîné? Où est le Magui? Hein? C'est où? Oh, tu veux te mettre à aboyer, c'est pourquoi tu ne peux pas me répondre. Jimon. D'où vient ces sables? Pourquoi il y a du sable sur tout ton corps? Qu'est-ce qui s'est passé, Adana? Étais-tu en train de rouler dans le sable? Non. Non, comment? Comment tu dis non? Je me suis battue. Tu t'es battue? Tu t'es battue avec qui? Bah non, ne réponds même pas. La question serait, je crois que tu ne m'as pas dessus d'où tu viens. Puisque je ne supporterai pas que ma fille soit battue, mais avec des sables sur ton corps, c'est très évident que tu as été battue. Qui est cette personne? Adana, réponds-moi. Chidera Ndoluchi. Chidera Eoluchi. Hein? Ok, bien. Nous rentrons là, continuer cette bataille. Maman, tu n'as pas de raison de partir là-bas. D'ailleurs, j'ai très faim, je suis fatiguée, je dois aller manger. Laisse tomber seulement. Oublie d'abord cette nourriture. Nous faisons demi-tour. Pour le battre. Je ne laisserai personne battre ma fille et croiser les bras pour ne rien faire. Jamais. Un lélé. Un lélé.
C'est qui? Qui est là? Ah, patron. Ma maman est où? Ils sont allés à l'hôpital. Ta maman a dit qu'elle t'a appelé, mais ton numéro ne passait pas. Ils sont partis faire quoi à l'hôpital? Je crois qu'ils ne se sentent pas bien. Oh. Ils sont toutes parties à l'hôpital. Tu es sérieux? Ouvre le portail. Ouvre le portail. Maman, tu es là. Eh, Pekefon. Bien, bien, sortez, sortez. Qu'est-ce que c'est? Moi, tu es là. Sors. Tu veux faire tomber mon toit avec tes cris? C'est quoi ton problème? Arrête d'aboyer, tu déranges les voisins. C'est quoi ton problème? De qui tu as parlé? Bien, Mwake. Ramène-tu des rats ici. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'a t'elle alors, fait? J'ai touché ma fille Adana. Regarde, les sables sur elle. Sais-tu comment coûte cette coiffure sur elle? Ok, pas de problème. Jidère, hein? Depuis qu'on est là, ça fait déjà un moment qu'on attend. Personne n'est venu nous voir et ils nous disent rien du tout. Je suis fatiguée de tout ceci. Je disais, est-ce que c'était pas grave? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je vous assure que les infirmiers et les docteurs sont en charge de tout. Ça ira. Chidera! De se dépêcher. Et après quoi? Perdre ici. Dégage. Et si je ne le fais pas? Mais non. N'importe quoi. Cadou, Timon. Timon. Hey. Orgini. C'est bien elle. Regarde comment elle fait la tête. Mais. Maman. C'est bien elle. On dirait que tu as utilisé un traceur pour défigurer son visage. Mais là, ça les sent. Maman, j'avais juste réglé le front pour que tu viennes avec moi et que tu vois de tes propres yeux ce que j'ai lui fait. Et c'était folle. Tu as fait du bon boulot. Tu as vu son état. Qu'est-ce que tu attends? Dieu. Ne reste pas là. Viens achever ce que ta fille a commencé. Pas besoin. Si on ose les toucher encore, il risque de mourir. Pas de problème. Donc tu soutiens ta fille. Tu es d'accord avec ce qu'elle a fait, c'est ça? Ok, c'est bon.
Je suis sûre qu'elle a appris la leçon de sa vie. Ma fille, on y va. Hey. Comment ça se passe? Vous êtes restés toute la journée. Et c'est où la nourriture? J'avais vu l'infirmière lui donner de la nourriture. On n'en a pas besoin pour le moment. Pourquoi? Il est toujours dans les comas? Oui. Oui, il est mort. Je suis désolé, on a essayé, mais ça va pas. Voilà. Je suis désolé. Excusez-moi. Telle mère, telle fille. Regardez-le. Des vraies folles. Pourquoi vous partez? Viens, madame. Viens, je t'attends. Viens ici. Viens te battre. Viens achever ce que ta fille a commencé. Je suis là pour toi. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Maman, elle a insulté ta mère. Elle est en train d'insulter toute notre famille. Ne reste pas comme ça. Elle nous a traités de folles. Fais ce que tu veux, je suis là. Calme-toi, tu vois, calme-toi, calme-toi. Excusez-moi. Non, c'est pas vrai. Docteur, est-ce que vous avez entendu ce que le docteur vient de dire? Non, ce n'est pas possible, non. Maman Tidela, réagis, oui, maman. Oui, je t'écoute. Maman Tidela, oui. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai traité de folle. Hein? Oui. Ça veut dire quoi? Oui, maman, comme ça. Vas-y. Hey! Qu'est-ce que tu veux faire? Quand est-ce qu'il s'est arrivé? Je présente mes condoléances. Chef Tchoule va nous manquer. Merci de m'avoir informé. Choma. Choma. Monsieur. Oui, monsieur. J'ai l'information. Le chef Banifo est mort. Je crois que c'est le moment. Tu sais quoi faire? C'est bien le moment. Ah, d'accord, monsieur. Monsieur, le docteur Izebou est venu vous voir. Ok, fais-lui entrer. Plus de consultations. Aujourd'hui, c'est un jour triste pour moi. D'accord, monsieur. Maman, tu lui as donné la leçon de sa vie. Maman, non, tu l'as battu sévèrement. Je savais. Voilà pourquoi je faisais semblant pour que tu ailles voir toi-même, maman. Hey, mais tu es très forte. Maman, je me suis très bien occupée d'elle. Elle avait vu quand on s'était battu, maman. Elle a trembloté comme pas possible. En tout cas, cette fois-ci, elle a eu peur de moi, maman. Elle a chaud. Hey, maman, mais tu es toujours forte. Je ne m'imagine pas. Ah, tu crois que je ne suis plus forte parce que je suis devenue vieille? Oh! J'étais sûre. C'est terrible, maman. J'étais sûre qu'elles ont eu trop peur de moi. Pas la vie. Regarde qui nous attend là-bas. Tinek. Aïe!
Maman, regarde comment il s'éteint, Bibo. Attends, que ça ne soit pas ce à quoi je pense. À quoi penses-tu? Que ça ne soit pas qu'il est venu juste parce que moi, je suis rendu déjà qu'ils ont auprès de lui. Et alors? Qu'est-ce que tu racontes dans si peu de temps? Est-elle une déesse ou quoi? Bien, Naï, allons-en. N'importe. Hey, regardez comment il se tient, Bibo. Je t'ai dit. Comme une statue. Non. Ou un monument. Il a l'air d'un mannequin en plastique. Je ne sais même pas celui qui l'a demandé de porter cette démission. Mais tout ça, je te le dis, maman. Il a commencé à mettre ses chapeaux il y a 10 depuis années. Depuis 1900, ça doit être déjà usé. Prends le temps de le regarder. Il ressemble à un mascotte. C'est vrai. Il est très bien. Très moche. Il est moche. Mais, ils sont de l'avancée. Hey! Kaim Jebi Chiyo, Ichiyo Sowemwelewo. Kaija Bichio, Ichiyo Sowemwelewo. Kaija Bichio, Ichiyo Sowemwelewo. Kaija Bichio, Ichiyo Sowemwelewo. Kaija Bichio, Ichiyo Sowemwelewo. Tu ne nous as pas signalé que tu venais. Sinon, on ne serait pas sorti, on resterait ici pour t'attendre. Vous êtes rentré et vous êtes resté là-bas. Et là-bas? Commérer avec ta fille. Hein? Oh. Itché, bon après-midi. Itché, nous n'étions pas en train de commérer. Oh. J'étais en train de lui donner quelques instructions. Du coup, on vous a aperçu. Alors, pour ne pas oublier, je ne devais que continuer. Itché. Qui est bien? Comment était votre voyage de la fille? Oui, je remercie Dieu. Ça s'est bien passé. C'est bon, laisse-moi aller vous trouver les colas, non? Non, c'est pas okay, important. Ok, tiens. Laisse-moi m'asseoir un peu. Je suis essoufflée, nous venons de très loin. Écoute. Non. Je viens t'annoncer un message très important. Chief Onechek. Enfin. Dieu est bon. Je vous entends. Umbaneko Tomari, mon grand frère. Il est mort. Ça veut dire quoi, il est mort? Calme-toi. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Bien. Qu'as-tu fait à ma mère? Qu'as-tu fait à ma mère? Je lui ai rien fait. Tu n'as rien fait, alors pourquoi est-ce qu'elle est? Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état? Je juste délivrer une information. Ton père bien-aimé est mort. Ton père est mort. Onya nounou. Mon père est mort. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Écoutez, calmez-vous. Mon père oui, est mort. Nous attendons, nous attendons. Ada, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, Ada. Calme-toi à mes côtés. C'est toi. Prends place. Dites-moi que c'est pas vrai. Itché, mon père est mort. Calmez-vous. Calmez-vous. Regarde ça. Regarde cette pièce. Il y en a beaucoup, je crois. Je sais que tu vas aimer. J'aime les motifs. Mais je te jure que tu n'as même pas besoin de le vérifier. Je les ai sélectionnés particulièrement pour toi parce que je sais que tu vas aimer. C'est très joli. Oui, c'est vrai que j'aime
Mais les temps est très dur. Je n'ai pas assez d'argent. D'ailleurs, le montant que tu me donnes est exorbitant. Ah, ah. Mais qu'est-ce que tu racontes? 5000 naira n'est pas assez d'argent. Un simple 5000 naira, tu n'en as pas. C'est beaucoup. Avec la qualité de cette panne. Tu ne diras pas que c'est cher. Avec le matière utilisé pour confectionner cette panne, vraiment. Si tu ne le veux pas, tu peux laisser. Je vais aller montrer ça à mon amie Ujugo. Elle aime de bonnes choses. Elle va certainement aimer les motifs. Elle va les acheter. Nguanoumé. Prends. Ah, ah. Tu remets, tu n'achètes. Le prix est énorme, mais je ne saurais pas. Non, je peux pas. Essaye de voir. Non. Tu verras que c'est des bonnes qualités. Attends. Oh. Attends. Attends. Tu parais être la seule qui ignore ce qui se passe dans ces villas. Hein? N'es-tu pas au courant? Où est-ce que je trouverais 5000 naira maintenant pour acheter le pan? Donc, tu voulais que je les solde ou quoi? C'est difficile. Est-ce que tu vas bien? Du n'importe quoi. Tu crois que les vendeurs me l'ont donné gratuitement? Depuis quand tu as acheté un pan à ces prix? Je ne savais pas que tu as vraiment atteint ces niveaux, hein, franchement. Allez, tiens-moi ces pan. Laisse-moi répondre à cet appel. Allô? Enzo? Comment est-ce possible? Quand? Oh mon Dieu, je crois qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Tu connais Ogou, mon amie, non? Eh oui, elle vient de perdre son mari. Tchai, comment ça s'est arrivé? Ah, je sais comment, je me pose la question. Hey, Wanebim, qu'est-ce qu'elle fera maintenant? Je ne sais pas où. Hein? Hey, c'est mes rappels. Mais j'aurais appris qu'ils ne sont plus ensemble. Exactement, ils ne sont plus ensemble, c'est ça même le problème. Ah bon? Mais je saurais comment, tu me poses des questions qui m'agacent. Allez, arrête, s'il te plaît. Et je ne sais pas comment elle va commencer à pleurer, à faire le deuil de son mari. Et d'ailleurs, ils ont déjà partagé. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas ça. En gros, c'est quoi, cette femme? L'accuser, pourquoi? Allez, s'il te plaît, ma chère, continue avec le business. Où est-ce qu'on s'était arrêté? Tu aimes beaucoup l'argent, oh. Tu aimes beaucoup l'argent. Ce n'est pas bien ce que tu fais. La machine ici me dérange comme pas possible. Et enfin, cet homme a réussi à tuer cet homme. Hein? Hein? Tu vois pourquoi je te conseille de prendre le taureau par ses cornes? Prendre quel taureau par ses cornes? Pour que je finisse aujourd'hui comme lui. Sinon, je serai déjà enterré. Allez, s'il te plaît, ne va même pas là. Arrête. Laisse-moi tranquille. Ah, franchement, ce que tu dis. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu feras maintenant? Tu t'attends ce que je fasse, quoi? Le mec mort. J'attendrai qu'il vienne m'informer de la date officielle de son enterrement et puis on va aller l'enterrer. Et d'ailleurs, il m'a chassé de sa maison. Je vis maintenant sous un toit misérable. Et tu n'importe quoi. Regarde-toi, Dugo. Quand est-ce que tu apprendras ta leçon? Donc, tu veux maintenant laisser toute cette richesse à ta rivale? Ceci n'arrivera pas. Tu vas rentrer là-bas pour réclamer tout ce qui te revient. Qu'est-ce que cela veut dire? Sinon, qu'est-ce qui arrivera? Aller là-bas pour qu'il m'achève. Hein? Je suis assez sage. Vieille et sage. Ojoku, tu as totalement changé. Le Ojoku que j'ai connu serait descendu là pour leur montrer de quel bois elle se chauffe. Arrête de dire ce que tu dis, c'est de ton avenir qu'il s'agit. Tu dois faire quelque chose. Peu importe où tu as entendu, sinon, Wanyeke. Fais attention, oh. Ne me pousse pas, gare à toi. Hé, hey, franchement, ça ce n'est pas mon ami, oh. Non, ça ce n'est pas mon ami du passé. Allez, c'est pour aller tenir les taureaux par ses cornes, hein. As-tu déjà vu ce que les taureaux font aux gens qui les retiennent par les cornes? Allez, s'il te plaît, finis de coudre pour moi cet habit, je dois partir. Peut-être que tu ne le comprends pas maintenant. Dépêche-toi, c'est une raison après, peut-être. Ok, il y a pas de soucis, du coup. No peace.
Continue de faire palabre comme une femme folle. Continue de danser. Sache que cette maison m'appartient à moi et mon mari. Ah si. Le mieux pour toi serait de sortir de cette maison. Fils. Ah si. Cette maison ne t'appartient pas du tout. C'est à moi. Nous avions construit cette maison par nos durs labeurs. Jusqu'à ce que tu apparaisses, je ne sais tout. Pour prendre part à l'héritage de mon mari. Hmm? Et tu sais quoi? Tu n'as plus beaucoup de temps ici. Tous ces voix que tu mets devant lui pour anéantir sa lucidité. Très bientôt, il comprendra de quoi tu es fait et te mettra dehors. Juste comme il a compris de quoi tu es fait ta mise dehors pour que tu surgisses après. Hein? C'est comme ça que tu cherches à revenir. Oui, je ne le ferai jamais. Tu le feras. Jamais de ma vie. Tu le feras. Regarde-toi. Dors. Express. La moto. La moto. Tu prends tout genre de transport. Il l'a pris. C'est pourquoi il l'a pris à ta place. Oh. Est-ce que tu as un miroir? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si tu avais un miroir, tu aurais le temps de regarder comment tu es. Frustrée, désespérée, misérable, vieille que tu es. T'es un crapaud. Toi, est-ce que tu te regardes? Tu sais à quoi tu ressembles? Un crapaud. Tu ne seras pas touché. Je vais te battre comme un petit enfant. Tu ne me connais pas. C'est toi qui partiras d'ici. Tu me laisseras, tu m'as trouvé. Délateur. Éléphant. C'est à moi que tu dis ça? Oh, bébé. Laisse-moi entrer ta vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Adugo, qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il lâche là. Tu es salaud. Qu'est-ce qui vous a pris? Sorcière. Hein? Vous êtes toujours comme des enfants, en train de se battre à tout moment. Kenny, moi, me battre pour un biscuit? Je suis trop vieille pour ça. Tcha, qu'est-ce que tu racontes? Nae, Biko, je dois finir avec ce démon que tu as mis dans ta maison. Laisse-moi finir avec elle, Nae. Ah, c'est quoi le problème? Je n'étais pas en train de me battre avec elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'a presque étranglée. Si elle s'adressait à moi comme elle le fait maintenant, je ne me battrai pas. Ojuko, je te connais. Tu es la seule qui cherche des problèmes ici dans cette maison. Je te connais très bien. C'est toi qui crées toujours des problèmes. Pourquoi? Nae, c'est donc ça ton jugement? Pourquoi je ne chercherais pas une raison pour l'avoir? Pendant que tu le fais toi-même engoser, c'est moi que tu veux blâmer? Ça veut dire quoi ça? Je veux la battre, je continuerai à le faire. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Écoutez, chérie, tu sais que moi je ne suis pas violente. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je ne vais pas battre. J'étais quoi? Et tu la crois et moi tu ne crois pas. Non, tu vois ta vie? Tu vois comment elle te trompe. Je ne sais pas ce qu'elle t'a donné, ce qu'elle t'a fait manger. Mais sache que très bientôt, tes yeux s'ouvriront et tu sauras ce qu'il y a de mieux pour toi. Ojuko, j'en ai assez de cette histoire. Sinon, tu vas quitter ici. Va dehors. Chief, tu me chasses de ta maison? Chief, ce n'est pas possible. Sortir d'où? Ojoko, sortir d'où? Allez, calme-toi, tu ne manques pas de respect. Mon ami, ferme ta gueule. Quel mari? Est-ce ton affaire? En quoi cela te concerne? Ce qui se passe entre mari et femme n'est pas ton affaire. Non, je ne partirai pas d'ici. Je ne mettrai pas un pas dehors. Pourquoi c'est moi qui dois sortir? C'est nous deux qui devons sortir là, d'accord? Mais moi seul, je ne sortirai pas. Il n'en est pas question. Et ne mentionne pas mon nom dans tes affaires. Ne mentionne pas mon nom. Parle de toi-même. Ojoko, j'ai dit, tu dois quitter ma vie. Immédiatement. Si je suis ton mari et tu le sais, je dis quitte. Mais je ne partirai pas d'ici, ce n'est pas possible. Je reste ici. C'est moi qui suis ta première femme. On a construit cette maison ensemble. On a construit ce foyer. À l'époque, tu n'avais encore rien. Si c'est ma maison, je resterai ici. Je ne bouge pas. C'est à moi que tu dis ça. C'est à moi que tu parles comme ça. Oui, Nani. Pourquoi ne pas te parler de cette manière? N'est-ce pas qu'on le faisait ensemble? Tu n'importe quoi avec tout ce que tu fais. Pourquoi je ne dois pas t'adresser la parole s'il te plaît? Tu vois, écoute là, bébé, chérie. Violente. C'est comme ça que vous vous trompez l'un l'autre. Allez, laisse tomber. Ne t'occupe pas d'elle. Regarde-moi. Oh, Dougue, ça suffit. Maintenant, pas. C'est à vous deux de partir. Et si moi je sors de cette maison, ça veut dire que vous deux aussi vous devez sortir. Mais si c'est moi seule, pas ton mari. Ojugo, je suis ton mari.
Et si tu reconnais que je suis ton mari, tu dois quitter maintenant. Je partirai. Tu me chercheras. Je quitte les salons, mais je ne pars pas de la maison au cas où tu pensais que j'ai parti d'ici. Je serai ton ombre. Et pour toi, je lève l'audience. Je pars à mon rythme. Nalele, 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 nalele. Bébé, je t'ai dit qu'elle était mais violente. C'est quel genre de femme ça? Je te l'avais dit. Hein? Ozogo est très violente. Il a besoin d'être recadré. Je n'ai même pas pu le toucher. C'est pas grave. J'étais quoi? Je suis désolée, mon amour. Je sais que j'aurais dû l'ignorer. Ce n'est pas grave, il aura un temps, on trouvera une solution, ok? Je suis désolée. C'est pas grave. Je crois que tu t'es pas fâchée contre non, moi. Non, c'est pas grave. Mais tu es sûre? Oui, il n'y a rien. Hey! Ojogo, Ojogo! Je te tiens l'œil. Pourquoi tu ne l'as pas défiguré le visage? Est-ce qu'elle est même consciente qu'elle t'a ravi ton mari? Il est temps pour moi de te suivre dans cette maison pour lui donner sa leçon. Bam 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 bam, on a dit non, pas jusqu'à ce point. Mais suivre pour cette femme, non, pas besoin, je vais en finir avec elle moi-même. Elle a au moins goûté à ce dont elle avait besoin. Maintenant, elle sait à quoi s'attendre prochainement. Ce qui est sûr, le message est passé. Tu n'as pas à la blâmer. Elle croit être splendide. Jolie, je ne sais comment. Alors qu'on ne peut pas être mince, jolie, courte et élancée en même temps, que tu en choisisses un. Mené, c'est toi que je blâme. Tu n'as pas poussé le bouchon très loin. Si tu étais allé un peu plus profond, elle partirait de ta maison il y a longtemps. Mais je fais de mon mieux. Oh. Je fais tout ce que je pouvais, mais tu connais mon mari. J'aime les femmes élancées qui sont claires et intécellentes. À mon fia, intécellente, elle a ramassé je ne sais d'où. Méné, laisse-moi te dire que tu n'as pas joué à toutes les cartes, oui. Et laisse-moi te demander, est-ce que tu étais allé consulter le féticheur? Est-ce que tu as pensé aller le visiter? Je parlais des Dibia, du féticheur. Timon, es-tu malade? Tu as osé me gifler? Comment oses-tu me conseiller d'aller visiter un féticheur? Je suis sûre que si tu l'avais fait, ton mari ne serait pas ravi de toi. C'est ce que je lui ai fait subir jusqu'ici. N'oublie pas que je suis chrétienne née de nouveau à l'église romaine catholique. Ne suis-je pas chrétienne moi aussi? Nen, si tu sais ce qui est bon pour toi, tu ne serais pas en train de t'agiter et de faire tous ces blablabla. Si ça veut dire que tu as l'habitude d'aller consulter le féticheur, je ne sais pas pour ton chaos. Tout ce que je sais te dire, c'est de sauvegarder ton foyer. Ça ne m'intéresse pas du tout. Laisse-moi m'en aller. Allez, bien, Nen, n'y a pas assez fâché. Ne vas-tu plus prendre le cola? Pourquoi je mangerai ton cola? Qui sait si tu l'as chez ton féticheur? Non, vraiment, tu es très amusante. Que Dieu m'en épargne, c'est le ciel sait où tu as pris ces colas. Retour à l'expéditeur. Aïe, tu n'es que. Comment moi, il y a que. Mais me demander d'aller visiter les féticheurs. Comment est-ce possible? Ça veut dire que c'est comme ça qu'elle a vécu depuis tous ces temps. Moi, Ojuko. Hein? Non. Avec toute cette charge de département des mamans, de l'église catholique sur moi, on me conseille d'abandonner Dieu pour aller consulter les fétiches. Hé, hey, wow! Père Céleste, aide-moi. Je veux rester loyale. Sainte Marie, protège tes enfants. Protège-nous du malin en haut. Je ne peux pas être aussi désespérée pour arriver jusqu'à ce point. Je sais, oh! Je sais que cette femme a mis mon mari sous un charme. Mais peu importe, je ne dois pas être comme elle. Du reste, le seul juge. Entre moi et elle, je sais qu'à la fin de toutes choses, mon Dieu me justifiera.
Judy, tu es drôle, bébé. Tu as repris la même chose. Tu n'as pas tenu promesse. Ne t'inquiète pas. Je vais bientôt le faire, d'accord? Ah, chérie, es-tu sûre? Tu sais que tu es mon bébé. Je sais. Je m'imagine juste comment ça serait si tu... Ça veut dire quoi ça? Nabiko, lève-toi. C'est mon tour. Ojuko, qu'est-ce que tu fais ici? Nabiko, allez, bouge. Et toi, monte en haut. Ojuko, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je t'attendais depuis là-haut. Aujourd'hui, c'est mon tour. Oh, chérie, chérie. Hey, Jine, tu étais censée l'attendre. Vraiment, même. Bon, c'est quoi? Tu as assez profité avec cette fille. Aujourd'hui, c'est mon tour. Alors, je suis là. Ojuko, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ça remonte à quand? Hey. C'était quand la dernière fois? Mais Nanie, c'est une chose qu'on va arranger. Je suis là. Nanie, c'était quand la dernière fois que tu me l'as fait? C'est toujours elle. Pourquoi? Aujourd'hui, non, c'est mon tour. On verra bien. Évadons-nous. Bébé, pouvons-nous aller dans la s'il chambre? S'il te plaît, on y va. Ojuko. Tu sais, chérie, laisse-moi te dire ce qu'elle a l'habitude de te dire. Mon bébé, tu sais que je t'aime. Bébé, tu sais comment je te les donne. Quand tu es avec moi, tu es toujours satisfait. Je le ferai comme tu le voudras. Ojuko, laisse-moi tranquille pour la beauté de Dieu. Laisse-moi tranquille. Lève-toi. Allons-en. Bébé, si je ne veux pas te lever, je vais te dire à partir de... Arrête de me toucher. Tu vas m'énerver. Tu sais que je n'aime pas te forcer la main. Je vais à la chambre, je t'attends. Bébé. Allez, lâche-moi. Bébé, suis-moi. Hein. Je t'attends au... dans la chambre. Dans ta chambre. Bébé. Je ne sais pas. Cette femme devient de plus en plus obsédée. Ah ah. Shuker, ne t'occupe pas d'elle. Tu sais bien que moi, je suis toujours d'humeur calme. Je crois que c'est pour ça que je suis ta préférée. Mais, oh. Oh. Puisqu'elle est allée dans ta chambre, nous pouvons rester ici et profiter de notre temps. Tu sais que je t'aime. Igwe, je t'attends. Eh, vraiment. Mon amour. Je t'aime, bébé. Aussi. Ne t'inquiète pas, d'accord? On va trouver une solution. Que je descende. Hey! Oh my god, my rama, in my carry, baby, damn it. Hey! Oh, 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 security, baby. Security, baby. Security, baby. Security, baby. Oh, dear. Cette femme, c'est ramasse, hein? Oh, franchement. Tellement pimenté. Ah, c'est trop pimenté. Hé, qui est là? Qui est là, enfin? Cette maison est tellement grande. Ses servants sont tout le temps voulus. Au fait, Njideka, il est tout le temps au marché. Au shop, en train de nettoyer la chambre de madame. Madame, mon œil, cette fainéante qui ne fait presque rien. Je dois donc aller me trouver de l'eau moi-même. Oh my god, my rama, my curry, baby, damn it. Oh, security, baby. If any name, my rama, my curry, baby, damn me. Oh.
on a 5 à Kuala. Injena baby shop on a 5 Kuala. If any when you wave on FM a caraca. If any when you wave on FM a caraca. O si si parang kuna chambaji. Hey! Un kobi. Comme c'est bon. Je ne peux plus profiter d'un bon repas dans ma propre maison, vraiment. Laissez-moi me régaler tranquillement dans ma maison. Oh mon Dieu, la vie est belle. Elle s'est endormie profondément. Tu oses te disputer cette maison avec moi? T'inquiète. Quand tu seras de retour, on saura laquelle de nous deux partira de cette maison. Tu n'importe quoi. Femme insensée. Oh, chérie. Comment vas-tu? Tu es de retour. Je vais bien, bébé. Bienvenue. Pourquoi es-tu allongée là-bas? Ojugo. Je ne crois pas que... Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Tu ne m'as jamais dit que ta femme s'est droguée. Elle s'est droguée? Impossible. Que sais, mais la preuve est juste devant toi. Elle est allongée ici depuis... Ça fait déjà 5 heures. Ojugo ne prend pas la drogue. Je ne sais pas. Je comprends maintenant pourquoi elle voulait se battre à tout point de vue. Elle vient à peine de le finir et la voilà sous les effets. T'inquiète chérie, très bientôt elle va se lever. Ça c'est étrange. C'est pourquoi elle est tout le temps agitée et prête à se battre, avec un comportement de fou. Tu dois trouver une solution, sinon tu rentreras un jour et me trouver étranglée. Elle a fallu t'étrangler. Ogunego, ah, chérie, laisse-la, elle va aller mieux, bientôt elle va se rétablir. T'en es sûre? Elle est déjà habituée à ça, chérie. Elle ira mieux. Chérie, tu dois aller te relaxer, tu dois te reposer, non? Hein? Va prendre ta douche. Papiko, laisse-moi, je n'irai nulle part. Je ne partirai pas de cette maison. Je suis là collée, serrée, cimentée. Je ne partirai pas. Je ne vais pas te voir ici. J'en ai assez des insultes. Quitte ma maison. Ne bouge pas. Cette maison appartient à nous deux. Nous l'avons construite ensemble. Pourquoi tu dois me mettre dehors? Juste à cause de cette femme. Parce que tu es méchante. Moi, méchante? Oui. Ojugo, tu es méchante. Mbao, je ne veux pas de problème, je ne suis pas méchante. Oh. C'est elle qui est méchante, et non moi. Mbao n'est fou, je n'irai nulle part. Comment tu me demandes de rentrer dans cette vieille maison? Les gens commenceront à se moquer de moi. Laisse-les se moquer de toi. Odigo, je dis, laisse-les se moquer de toi. Si tu te réveilles, tu crées que des problèmes. Vraiment, c'est dégage ce que d'ici. Quels gens se moquent de ta femme? N'importe quoi. Je ne vais pas te voir. J'ai dit, pars! Je ne vais aller nulle part. Peux-tu partir dans la tranquillité? Qu'est-ce que tu fais? Mon amour, viens. Entre dans la maison. Si je te vois dans la maison, je vais te tuer. Penses-tu que je blague? Chief, ne t'occupe pas d'elle. Viens, chérie. Odogo. Je n'irai en tout cas nulle part. Si je te vois dans la maison, tu sauras que je suis un homme. Ouvre la porte. Tu viens ici, sors. Ouvre cette porte. Ouvrez la porte. Ouvrez-moi cette porte. Chief, ouvrez la porte. Hein,
Mais vraiment, c'est ce que tu me fais? Hein? Oh, on verra bien. Je suis ici, je ne partirai pas. Chifo, ouvre. Tu me trouveras ici. C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de cette histoire dans la famille après des semaines. Ah, Chief. Mais il n'a pas besoin d'une volonté. Nous sommes sa famille restreinte et du coup les enfants aussi bénéficient de ces richesses. Oui, tu as raison. Mais les choses ne sont pas comme on les pense. Nous devons un autre jour les faire. Au moins faire quelque chose. J'avais donné ma parole pour suivre tout ça jusqu'à la fin. Très bien. Je ne vous dirai pas d'abandonner. Merci. Je t'en prie. Ok, bien. C'est vous l'avocat. Vous connaissez mieux. Vous vous rappelez encore de ce que je vais discuter avec lui. Que Dieu vous bénisse. C'est très bien, c'est très bien. Je suis venu parler de quelque chose de très important avec ta mère. Ok, alors où est-elle? Ouais, elle n'est pas à la maison. Mais pourquoi tu as passé la nuit là-bas alors que tu as une maison très confortable ici? Non, non, il n'y a pas de problème. Je vais juste rentrer au village. Bon, lorsqu'elle rentrera, dis-lui de me contacter au plus vite que possible parce que c'est très D'accord. important. Alors, comment va ta soeur? Elle va bien. Elle va très bien. Ah, ok. Merci. Très bien. N'oublie pas, ta mère doit m'appeler. C'est très important. Très bien, très bien. Hey, ma chère, je suis désolée. Oh. J'ai traîné à faire deux, trois choses à la maison. Toi, hein? Toi, je veux déjà mettre la nourriture au feu, en attendant qu'on se retrouve. Ok. Ah, c'est ça, avec les tâches ménagères. Mais, hein? Comment tu veux? Sinon, moi, je veux bien. Hein? Moi aussi. Mais bon, n'es-tu pas au courant de tout ce qui se dit partout? Qu'est-ce qui se dit? Kengozi, ta co-épouse, a transféré la richesse de ton mari à elle seule et à toute sa famille. Non, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Comment est-ce possible? Non, mais... Non, mais tu continues de douter. C'est ce qui vient de se passer. Si tu rencontres ce pauvre frère que tu as connu, si tu le vois maintenant, tu ne vas plus le reconnaître. Ils sont devenus riches. Ils roulent carrosse et se baladent dans toute la ville. On dirait qu'ils travaillaient dans une des compagnies pétrolières. Ah! Si tu le voyais, tu ne vas plus le reconnaître. Tu veux me dire que c'est avec l'argent de mon mari? Exactement. Bien sûr que oui, puisqu'ils ne sont que de profiteurs. Eh hey, non, Gossi ne peut pas essayer de faire ça avec moi. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas dépenser l'argent de mon mari autant. Non, ce n'est pas possible. Puisque tu sais, la fortune de mon mari m'appartient à moi et à ma fille. Hein? Izoko, ouvre grandement tes yeux, reste vigilante. Tu connais bien la route vers ton mari. À moins que tu oublies, je suis disponible à te conduire jusque-là. Ce n'est pas que j'ai oublié la maison qui amène vers... chez mon mari. Je peux bien me rappeler de cette maison d'où j'ai été chassée. Mm-hmm.
Ce qui est vrai, j'aurais appris qu'ils ont déménagé, mais je ne sais pas pourquoi ils continuent de me fouiller. Je ne sais plus ce qui se passe avec... Il est allé habiter dans cette autre maison, la plus grande, dans ce château, ce chef-d'œuvre. Je te jure. Mais arrête de dire ça, non? Oh, désolé. C'est certain que c'est la raison pour laquelle mon mari commence à m'éviter. Hein? Hé, hey, Gozi. Gozi, tu me verras sur ton chemin. Attends-moi, là, j'arrive. Tu vas me raconter sur ton chemin. Tu crois que je plaisante? Oh. Toi, vraiment, tu m'étonnes. Tu ne fais qu'aboyer. Tu ne poses aucune action. Oh, okay, tu ne peux pas fermer ta bouche. Tu parles la fais trop. Tu en fais la trop. Ferme. Tu me traites comme si tu n'étais pas passé par mon chemin. Hein? Toutes deux, nous avions été chassés de la maison de mon mari. Hein? Mon mari n'a pas fait autant de dégâts comme le tien, alors je le fais avec. Regarde-là. Il n'a pas fait autant de dégâts. Tu veux dire, puisque tu as acheté des tissages brésiliens, c'est pourquoi tu veux faire semblant. Du n'importe quoi. Va te battre, maman, pour ta propriété. Non, allez, arrête, moi, c'est moi, hein, que je l'ai c'est dit. C'est quoi, oh, ça? Noka, tu es toujours là? Je t'ai dit que les choses vont s'arranger. Tu dois arrêter ça. Rien ne sera plus jamais le même. Je veux dire que c'est assez. Notre vie ne sera plus jamais la même. Et c'est pour cela que tu restes là. Mais tu dois être forte pour maman. S'il te plaît. Je le sais. Mais comment je peux gérer tout ceci? Je veux dire, même la compagnie est en faillite. Comment? Ok, c'est une bonne chose, vu qu'il nous a déjà donné une grande partie de la responsabilité de son entreprise. Eh bien, nous devons attendre à ce que l'avocat lise le testament. Et à partir de là, nous saurons quoi faire. Oh Jésus! Je ne peux pas croire ceci. Alors, c'est donc la dernière fois que nous avons parlé de ça. Moi non plus, je n'y crois pas. Mais on doit tenir les coups. Arrête de pleurer, d'accord? Tout va bien s'arranger. Odjugo. 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 Adanna. Ah ah. Où sont Odjugo et Adanna? Où sont-ils partis? Hmm? Où sont-ils partis? Odjugo. Ah ah. Amaka, Amaka, tu dois prendre combien de temps pour être prête? J'arrive. J'arrive. Ah ah, vous cherchez qui ici? Hein? Qui cherchez-vous? Hein? Adam. Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je me dis. Mais qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que j'en sais, maman? Jésus!
Ngozi, je vois que tu as hérité la méchanceté de ton père. Vous étiez donc là, pendant que nous étions en train de frapper à la porte. Instant, maman. Qui t'a dit que ça, c'est la maison de mon père? C'est la maison de ton père. C'est ici la maison de ton père. Ils doivent ressusciter cet homme et les désenvoûter. Je te jure. Mais comment ça? Incroyable. Mais... qu'est-ce qu'ils sont venus faire chez moi? Qu'est-ce que vous êtes venus faire chez moi? Écoute ce qu'elle raconte. Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est ça la question que je me pose. Imagine, pourquoi devons-nous la répondre? Maman, oublie ces gens. Entrons plus d'eau dans la maison et choisissons la plus grande et la plus belle chambre. C'est bien ça, ma fille. Quelle chambre? Mon mari a été assez clair. On n'a pas besoin de vous dans cette maison. Mais comment vous avez pu me localiser? Elle est choquée. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Marie? Elle ne s'y attendait pas. Maman. Elle est étonnée. Tu as pris tes chapeaux belles. Elle a un problème avec la tête. Tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Tu dis ton mari. Quel mari? Hein? C'est mon mari ou ton mari? Dis-moi. Mon ami, écoute. Je ne suis pas venue ici pour gâcher les choses, mais sache que tu es méchante. Mais tu sais quoi? Ok. Nous sommes venus domicile. Exact. Et reprendre ce qui nous revient. Entrer en possession de ce qui est à nous. Mais tu dois rentrer là. Arrange tous les documents et les papiers. Comme un prof de dépenses que tu as faites depuis que tu es ici. Oh, apporte-le-moi. Si tu ne fais pas d'ici, je ferai intervenir la police. Bego, je veux faire intervenir la police. Tu peux les appeler. En les appelant, tu seras pris par ton propre piège. De quelle prison parles-tu? J'essaie de t'imaginer avec cette tenue blanche derrière le garrot. C'est vraiment génial. Maman, oublie ces gens et partons. Né. Maman. Les. Oui. Allô, Ichie. C'est moi, Ngozi, la femme de Chifu Mbazu. Adjug. Cette femme pense m'empêcher de profiter de la fortune de mon mari. Franchement. C'est cette vie que je mérite. Je n'appartiens pas du tout à ces endroits reculés. C'est ici ma maison. C'est ici là que je dois être servie, non? Où est passée cette femme? Oui, nous allons bien. C'est juste un petit problème. Odjugo est venu chez moi avec sa nature problématique. Comment je saurais? Elle se comporte d'une façon à m'énerver. Elle devait rester ici et constater comment je me régale bien. Pourquoi d'ailleurs elle doit m'intéresser? Odjugo, arrête. Ne fais pas ça. Odjugo, pense-y. Pense à faire quelque chose. Mon mari était très clair. Il lui a demandé de rester loin en ce qui concerne ses biens. Et c'est pour ça même que j'ai aménagé ici. Elle surgit, je ne sais d'où. Seigneur. Ichi, permets-moi de te rappeler. C'est qui casse les choses là-bas? C'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison? Odjugo, que veut dire ces bêtises? As-tu un problème avec ta tête? Pourquoi tu casses mes assiettes? Tu veux savoir ce que je fais? Je te le dirai. Mais d'abord, arrête de crier. Je n'aime pas les gens qui crient en parlant. J'ai perdu la tête. Ah bon? Ok, pour ton information. Je suis venue profiter de tout ce que me revient de droit. La nourriture y compris, ça c'est ma maison. Je fais comme bon me semble. Odjugo,
Tu me tentes. Otugo, tu me provoques. Ne me pousse pas, les loin. Ou pas de bruit. Que penses-tu que je fais? Certainement, il y a un truc qui ne va pas avec toi. Rien. Tout va bien avec moi. Je suis venue jouir de ma maison et occuper tout ce qui est à moi. Tu m'as ravi, mon mari. Tonton est arrivé à sa fin. Imagine, ma fille. Regarde, juste regarde. Regarde ce qu'elle fait. S'il te plaît, pour combien de temps allons-nous supporter tout ceci? La petite souris, fais attention avec tes pieds. Amaka ou... Elle est quelqu'un de trouble. Tu vois, tu dois en finir avec ça. Petite souris, tu ne connais rien de tout ce que tu racontes. Entre dans la cuisine, prends la ramassette et la brosse vient enlever. Enlève-moi tous ces quoi? Déchets. J'en ai assez mangé de cette nourriture. En parlant de ceci, madame, n'oublie pas où... Tu t'attends à ce que je te rappelle de me faire le compte de tout ce que tu as dépensé jusqu'ici? Depuis que mon mari t'a épousée. Tu es certainement folle. Ok. Ta tête ne fonctionne plus bien. Je vous assure que c'était un vrai régal. En tout cas, je ne peux pas laisser ce poulet, je dois en finir. Regarde même sa manière de manger le poulet. Comme c'est bon, mon Dieu. Ça goûte. Maman, tu vois, hein? Sois apaisée. C'est quelqu'un à gérer. Nous devons aller doucement avec elle, d'accord? Tu n'as pas à t'agiter. Et essaie de mettre la propreté ici. Maman, tu veux dire que tu dois pas... Qui va le faire, Amaka? Nem, regarde-toi. Maintenant, j'ai retrouvé mon ami. Mais moi, j'ai cru que tu allais croiser les bras et laisser cette femme profiter de tout le bien que tu as fourni avec ton mari. Est-ce que je l'ai rendue folle? Je lui avais donné des gardes sur la tête. Non, je ne le laisserai pas faire. Il y a un temps pour toutes choses. On ne pouvait pas être folles toutes les deux en même temps. Nous sommes décidés, moi et ma fille. Et entrer conquérir notre territoire, l'occuper tout entièrement et reprendre la charge de toutes choses. Ma chère, c'est maintenant que je réalisais que j'habitais dans un des coins les plus reculés. Tu ne savais pas. Mais le temps est venu pour toi de récupérer cette sorcière. Tu dois la remettre à sa place. Elle doit sortir de cette maison. Ne le laisse même pas faire. Ne le permets pas. Je ne le laisserai pas faire. J'ai une bonne enseignante, tu es là, c'est ça que tu assures, mon ami. Ma fille et moi, non, j'aime ma fille. Nous nous sommes déplacés d'où nous étions. Une fois arrivés dans cette maison, nous avons commandé tout ce dont nous avons besoin. Mais nous étions décisives. Plus rien ne pouvait nous arrêter. Écoute-moi, la minute nous avons mis nos pieds dans ce quartier, nous nous sommes dirigés au shop là où on vend le burrique. J'ai pris cette pilule. Tu as acheté ça au marché, moi. J'étais sûre. Et après, là, je suis allée dans la salle de massage et de soins de beauté. Et c'est là que j'ai acheté. Mais je pensais que c'était ça, c'était un code secret. Ça a produit les mêmes sons que de l'or. Exactement. Plus personne ne restera derrière. Avec eux, je peux commander pour toi des articles ici et maintenant. C'est vrai. Ils sont terribles. L'argent parle. Tout est devenu facile. Plus rien n'est encore difficile. Tu vois l'argent que j'ai dépensé, laisse-moi te dire. C'est aussi pour toi. Tu dois venir en profiter. Mais je sais que ça vient. Il faut venir. Tu en as le droit, ma chérie. Ce n'est plus à cacher. Et tu devras aussi venir acheter dans ma boutique. Ma chérie, je ne supporte plus toutes ces choses. T'inquiète, mon ami. Je vais élever ton niveau. Ton ami a assez d'argent. Ton ami est friqué. Ne te dérange pas. Je vais assurer. Maman, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Mais tu n'as pas l'air. Maman, tu sembles trop inquiète. Hein? Et spécifiquement, le docteur nous a conseillé à ce que tu te reposes. Maman, ta santé est plus importante qu'autre chose. Je sais. Mais ce n'est pas toujours facile. Quelques années passées, moi et votre père partageons ces lits.
Il était un ami pour moi. Un meilleur ami, en tout cas. Mon compagnon. Je comprends, maman. Mais tu dois être plus forte, maman. Mais souvent, je me demande comment... Comment en êtes-vous arrivé là? Je veux dire, pourquoi tout ça? Un mariage arrangé. Voilà même. La mère de mon mari avait amené à Djogo pour mon mari. Il n'avait pas d'autre choix. Mais à l'époque, Djogo n'était pas autant troubadour. Hein? Oui. Ah. Elle a soudainement changé. Du coup, elle était devenue insupportable. Maman, en disant indisciplinée, ça vaut un peu la peine. Il faut dire très, très indisciplinée. Et très souvent, elle agit comme si elle n'avait plus de manières. Comme si elle voulait se venger de quelqu'un. Tu te rappelles encore de ce qui s'était passé lorsque papa voulait envoyer Emeka à l'étranger pour ses études? Ce n'est pas du tout possible. Ce n'est pas possible. De quoi est-ce que tu es en train de parler? Tu veux envoyer Emeka aller étudier à l'étranger? À l'étranger? Pourquoi autant de valeur à cet Emeka? Est-il un animal ou une personne? Hé, hey, Djogo, appelle ses noms avec respect. Dès quel nom parles-tu? Accorder de respect à qui? C'est qui? Qui est cet Emeka? Hein? De quoi parlons-nous ici? Non, tu veux envoyer le dernier enfant à l'étranger pour aller étudier? Qu'en est-il de ma fille qui est née de la famille? Pourquoi ne dois pas aller étudier à l'étranger? Djogo, Djogo, pourquoi tu crées des trucs? Pourquoi tu crées toujours des problèmes, Djogo? Pourquoi? Mon bébé, écoute là, mon amour, ignore-la. Tu sais qu'elle est une semeuse de troubles. Tu le sais déjà, pourquoi tu t'occupes d'elle? Tout ce que moi je sais est que Emeka va aller étudier à l'étranger. Bien sûr. Mensonge. Moi, semeuse de troubles. Je parle de choses importantes, tu me qualifies de semeuse de troubles juste parce qu'il s'agit de ton fils. Hein? Et pourquoi même je te pose la question? Qui est-ce que tu me qualifies? C'est lui que j'ai qualifié de chienne, s'est reconnue elle-même. Une chienne. Laisse-moi prétendre de n'avoir rien entendu. C'est mieux. Tu as toujours avec moi. Il y a quoi d'autre, je te fais toi, cette folle. Cette femme. Je n'oublierai jamais d'aussitôt ce qui s'était passé ce jour-là. Oui. Je me souviens. Oui. Papa et maman avaient trouvé ces jours très amusants. Une bonne mémoire. Tu peux le dire. Et celui qui était en charge de ces terres s'est décidé d'aller célébrer. Un bébé. Oh. Allez-y doucement. Doucement. Tu sais quoi? On va commencer à les faire souvent. Faire une sortie. Loin de la famille. Loin de tout ce qui nous entoure. Juste toi et moi. Ça sera très génial, Mais quoi? Occasionnellement, oui, mais pas à chaque fois. Ça, c'est un manque à gagner. Voyons, chérie. Alors, pourquoi on se fait de l'argent? Si ce n'est que pour se réjouir. Juste comme ça, loin de la famille. On peut bien le faire à la maison. Nous cherchons de l'argent. On trouve l'argent et on s'en réjouit. Tiens, Alpha. Oh, donc ce que j'ai entendu est vrai. Vous êtes ici en train de vous réjouir. Oh, Fanny. Vous n'avez pas pensé à m'appeler. Ils ont été ma paix. Djogo, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a donné l'adresse? Tu fais un instant. Bien, barman, tu vois ce qu'il y a sur cette table, hein? Apporte-le pour moi. Ok, n'oublie pas la bouteille d'eau froide avec du piment.
J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas important. Tu l'as amené ici pour profiter de la vie. Pendant que moi, je suis restée à la maison affamée. Chérie, là, tu as invité ici. Allez, ferme ta bouche. Je l'ai fait, je te l'aurais dit. Tu te prends pour qui? Ton autre respect. Tu te prends pour qui? Personne n'est invité ici. Et bien, tu peux rester sur place. Je ne sais même pas être présentable. Regarde la tête, peu importe. Le plus important ici est que je profite de la nourriture, que je sois une femme villageoise ou celle de la vie. Hey. Comment on peut expliquer? Bébé, est-ce qu'on peut partir d'ici? Elle m'embarrasse. Faut comment les gens me regardent. Est-ce qu'on peut partir d'ici? Barman, dépêche-toi, viens me servir. Bientôt, on va partir. C'est quoi tout ça? Ne peux-tu pas te donner de respect? Que veut dire tout ceci? Toi, tu oses ouvrir ta bouche et me répondre. Antigo, ne bloque pas avec moi. Antigo, ne pense pas que je me batte. Oh, du coup, arrête. Folle. Tu veux rester? Je vais donc rester avec elle. Chérie, je sais que tu as besoin de rester encore un peu plus. Bébé, assieds-toi, laisse-moi profiter. Hein? C'est ta chérie qui te mène. Suiveur, elle suit le femme. Tu n'es rien. On te fait respirer tranquillement et profiter de la vie dans cette maison. Tu n'aimes pas toi. Hey, I don't know. Tu rates, ma fille. Toi qui aimes les bonnes choses. Qu'en est-il des haricots que j'ai demandé, non? Ndiala. Méchant que vous êtes, vous n'êtes pas digne de confiance, mal intentionné. Ma question est que pourquoi elle faisait cela? Mais la police ne pouvait pas l'enlever dans cette parcelle. Je ne sais vraiment quoi faire. Ceci risque de devenir à un niveau élevé. Vraiment? Parce que cette femme se comporte comme si elle voulait se venger de quelqu'un. Mes enfants, dans quelques jours, le testament de votre père sera lu. Nous connaissons déjà sa volonté exprimée dans ce document. C'est très évident que votre père ne lui a pas laissé grand-chose, puisqu'elle lui a rendu la vie très difficile. Il a peiné toute sa vie. J'espère qu'à la fin de tout ceci, nous serons victorieux. C'est mon souhait. Évidemment. C'est bon, maman. Pouvez-vous aller dans votre chambre? Il s'est fait déjà tard.
C'est donc ça son plan? Son plan est de me mettre hors de cette affaire. Je veux le découvrir. Moi, Ojuko, je veux lutter. Bonne nuit, maman. Dors bien, maman. Hey, la vie est belle. Hein? Voyez-moi comment l'on s'amuse. L'argent n'est pas à ton ami. Hey, mais c'est bien. L'essentiel est que je me réjouis ici. Hey! Chiniki! Toi! Qui est entré dans ma chambre et a pris mes bijoux sur la table? Es-tu sourde? Adana, pourquoi es-tu entrée dans ma chambre premièrement? Ok, tu ne vas pas aimer ce que je peux te faire. Bien, je veux que tu puisses remettre tous les bijoux que tu as pris immédiatement. Bon sang, dépêche-toi, remets-les. Tu vas bien? Donc moi je m'adresse à toi et toi tu ne fais que boire, hein? Oh, alors tu peux maintenant parler, n'est-ce pas? Tu peux parler. Écoute, je veux que tu retournes tous ces jus. Sinon, tu verras de quel bois je me chauffe. Un instant. Adan, fais comme si rien ne s'est passé. Un instant. Donc, cette fille croit qu'elle peut venir m'insulter, moi, Adan, et se tirer en douce? Moi, Adan, la championne du village. Elle ne me connaît pas bien. Attends, j'arrive. Et où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Reviens. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça tu me poses cette question? C'est quoi la signification de ce que tu viens de faire? Toi, tu n'as pas compris pourquoi je fais ça? Toi, tu es vraiment malade. C'est moi que tu poses cette question? Oui. Tu as osé m'insulter. Oui. Es-tu normal? C'est quoi ton problème? Et toi, tu es folle? S'il te plaît. Où est-ce que tu veux aller? Reviens. Tu vois ce que tu cherchais? Je vais te le dire aujourd'hui. Je ne te lâcherai pas. Respecte-toi. Je ne te lâcherai pas. Je suis là pour toi. Respecte-toi. Tu dois te battre, je t'attends. Bats-toi. Je ne te lâcherai pas, tu dois te battre. Je suis prête, je t'attends. Viens, je ne vais pas toucher toi. Et mec, laisse-la. Parce que si tu oses la toucher, elle mourra. Hey, tu veux que je te touche, tu vas mourir. Tais-toi. Écoute-toi très bien, jeune fille. La prochaine fois, je dis bien la prochaine fois que tu feras cette bêtise, je te mettrai en morceaux. Je te mettrai en morceaux. Je n'en conseille ta sœur. Préviens-la. Si jamais tu refais cette bêtise dans cette maison, tu verras ce que je te ferai. Au cas où vous l'aurez oublié, ça, c'est la maison de mon père. Et personne ne peut m'intimider dans la maison de mon père. Et au cas où vous l'aurez oublié, c'est moi, je suis sa fille aînée. Oui, donc cela veut dire que cette maison m'appartient. Si quelqu'un parmi vous ose m'énerver, je lui mettrai à la porte. Parions si vous ne croyez pas et vous verrez. On y va. Ogini, bien, qu'est-ce que tu viens de dire? Pauvre idiot, je suis là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète, qu'est-ce que tu viens de dire, pauvre idiot?
Pour qui tu veux pas pour ton ami, je suis là. Allez, vas-y, si tu es sale, bats-toi. Bats-toi. Reviens, si vous êtes sympa, reviens. Adani. Adani. Maman. Tu as bien fait. Tu as vraiment donné à cette fille sa leçon. Heureusement qu'elle n'a pas eu de dessus sur toi, sinon elle allait commencer à te provoquer à tout moment. Ah, maman. Mm-hmm. Tu parles comme si tu ne connais pas bien ta fille. Hein? C'est comme si tu as oublié comment je tabassais les gens là-bas au village. Mm-hmm. Comment j'avais l'habitude de les oppresser. Je sais. Maman, ça c'est des petites choses. Tiens. Hey! Tu aurais dû voir ce que je lui avais fait. Même son petit frère, l'homme de la maison. Je me suis très bien occupée de lui. Pas laisse tomber. T'inquiète pas. Je leur mettrai la pression, maman. Jusqu'au pont, elles vont s'enfuir de cette maison et s'en aller du pont. Ils partiront d'ici. Oh. T'inquiète pas, maman. Ils ne me connaissent pas bien. Non. Ils n'ont encore rien vu dans cette maison. C'est le même charme qu'ils ont utilisé pour tuer ton père. Sur moi. Oui, et c'est aussi avec ces mêmes doigts qu'elle a utilisé pour tromper père. Tu sais, c'est comme ça qu'ils arrivent à neutraliser la lucidité des gens avec leur charme. Tout finit un jour, maman. Je te jure, folle que tu es. Perdante, oui, j'accepte. Elles ont cru s'accaparer de tout le bien. Perdante, ils sont perdants. Ce sont eux-mêmes qui sont perdants. La plupart du roi du vainqueur est vaincu. Tu es vraiment terrible, une vieille carcasse. Ah, Jawan. Elles veulent savoir tout ce qui se passe. Elles ne restent pas sur place. T'inquiète-toi, maman. Très bientôt, ils vont quitter toute cette maison. Voleuse de mari d'autrui. Italia. Maman, de la même façon qu'ils t'avaient chassé de la maison de mon père. Attends, tu verras. Pauvre insensée. La fournicatrice. Voleuse de mari. Imagine, tu as 20 ans avec sa famille, sa femme et ses enfants. Mais tu as débarqué quand même. C'est quoi cette majesté? Itché. Merci. Je crois que je devais passer à la maison pour voir, pour discuter de ces problèmes qui me dérangent. Oui, je suis là. Vu l'urgence, je n'ai pas eu d'autre choix que de vous inviter ici chez moi pour ces problèmes. Et c'est au sujet de Ojoko. Ajoko ne veut pas partir de ma maison. Je vous prie de lui dire d'aller dans la maison que mon mari a faite pour elle. Je ne sais pas ce qu'il continue de faire chez moi. Ma femme, je ferai de mon mieux. Mais je ne te fais aucune promesse. Tu connais Ojugo peut être très très têtu. Et ça sera tellement très difficile. Tu connais Ojugo très très bien. Ojugo va se battre pour cette place, pour la maintenir. D'ailleurs, l'as-tu pas interdit de venir s'asseoir là-bas, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le testament sera lu, oui. Mais elle ne peut plus continuer à rester ici pour me rendre la vie difficile. En train de créer des problèmes ça et là et détruire mes histoires expressement. Jusqu'au point où elle est prête à se battre avec qui que ce soit. S'il vous plaît, qu'elle parte d'ici. Itché. Je crois que si vous parlez avec elle, elle sera recadrée. Vous êtes l'un des membres de la famille qu'elle respecte beaucoup. Je crois qu'elle va vous écouter. Ma femme, je ferai de mon mieux. Mais je ne te fais aucune promesse. Tu sais, Ojigo peut être très, très têtu. Ok. Ojigo. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vais essayer de la faire comprendre. Talk.
Madame, vous ne pouvez pas voir mon boss. Mon ami, ferme ta bouche. Excusez-moi, je vais madame. Voir ton boss. Je vais le voir. Occupé, ne pouvez-vous pas comprendre? Comprendre quoi? C'est quoi que je suis venu blaguer ici, hein? Hein? Toi. Alors, boss. Laissez-moi. Insensé. Qu'est-ce que c'est ça? Laissez-moi. Je n'importe quoi. Et tout va bien, calmez-vous. Tu étais donc là, hein? Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette question mérite vraiment une réponse. Donc tu ne veux pas me répondre. Si tu ne dis rien, je vais te chasser loin de mon bureau. Tu dis quoi? Renvoyer qui? Odeur? Moi, Odo. Mais renvoyer de ton bureau. Tu ne l'essayeras pas. Non, tu ne le feras pas. Pour qui te prends-tu? N'as-tu pas encore entendu parler de moi? Hein? Tu n'as même pas peur. Tu es entré dans mon bureau et tu cherches même à te battre. Hein? Sans pourtant avoir même peur. Tu seras payé pour qu'est-ce ça. Qu'est-ce que tu dis? Peur de qui? De toi? Vas-y, amène-moi à la cour. Amène-moi à la cour et tu verras ce que je te ferai. Regarde-toi. Tu ouvres ta bouche. Quand tu veux parler devant moi, tu n'as pas du tout froid aux yeux. Tu n'as pas entendu que mon mari meurt pour que tu commences à sortir avec sa femme. À ta santé. Je suis vraiment en train de profiter de la vie. Je ne peux pas me rappeler combien j'ai manqué ces moments. On a toujours passé des bons moments ensemble. Tu sais, des fois, je me sens un peu jalouse quand il faut que tu me quittes pour rentrer chez toi. Hein? Ah, vraiment? Non, relax, calme-toi. Tu n'as pas de problème. Tout est sous contrôle. Ah hein? Bon? Tu vas me manquer. Tu me manques aussi. Ah, ok. Alors, où est-ce que nous allons ce week-end? On doit trouver une bonne place là où on sera à l'aise. Jux. Il faut qu'on aille quelque part profiter de la vie. Je vais prendre soin de toi. Tu sais que je ne peux pas faire ce genre de déplacement jusqu'à ce que le testament de mon mari soit lu. Ah, voyons. Ce n'est pas ce que tu penses. Toi, ma chère, je vais faire en sorte que tu sois en sécurité totale. Voyons, ce serait un très beau endroit. Regarde, je dois partir. On se voit bientôt. Bonne nuit. On se voit bientôt. Quel gaspillage, mon Dieu! J'ai compris votre jeu. Vous êtes pris dans votre propre piège. Ça veut dire qu'ils sortent ensemble depuis. Je vois maintenant. Je vous tiendrai à l'œil. Hey, tu as l'audace de sortir avec la femme de mon mari sous mon toit. C'est bien noté. Ça, je le garde comme preuve. Non, c'est vraiment inadmissible. Tu vois, c'est là que je t'ai attrapé. Oh non. Tu penses vraiment que je peux profiter d'une femme dans la faiblesse comme ça? Parce que son mari vient déjà de mourir. Tu penses vraiment que tu peux profiter de cette situation? Je savais que tu allais finir par dire ça. Oh, si tu peux dire ça, ça veut dire que tu as commencé ça il y a longtemps. Tu sais quoi? Je comprends que toi et Ngozi avaient une main mise dans ce qui est arrivé à mon mari. Mais t'inquiète, quand j'ouvrirai ma bouche aussi grande, tu me connais. Non, sois prêt, la vérité va se savoir. On verra bien. Ton mari t'a mis dehors. Il ne t'a même pas considéré. Écoute-moi, certainement tu ne connais pas mon mari assez. Nous avons été ensemble depuis des années avant que tu ne surgisses de tout. Misérable avocat, laisse-moi te dire une chose. Mon mari était un bon homme. Ce point n'est même pas important pour l'instant. Sache que très bientôt,
tu seras exposé sous le soleil. Je ferais mieux de remettre mon nom dans ce testament. Sinon, tu ne me connais pas assez. J'ai l'enregistreur avec moi. Quoi encore? C'est ça, ça contient la vérité de tes bêtises. Qu'est-ce que tu fais dans ce bureau et partout ailleurs, même chez moi à la maison? Alors tu es venu dans mon bureau pour tout ça, hein? Ça, ce n'est pas une simple menace. Très bientôt, ça devient la vérité. Cet enregistreur contient tout de toi, y compris ta tête. Regarde, madame. Je ne sais pas où ton mari a mis le testament. Vraiment? C'était protégé et caché par lui-même. Ah, Isoko. Oui. Je t'ai vu, toi et Ngozi, au bar en train de faire l'amour. Je te donnerai la leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. Dégage de mon bureau. Que je parte aussi sec. Quitte mon bureau. Si tu ne dis pas s'il te plaît, je ne partirai pas, je suis ici. Reste alors, moi j'y pars. Oh, ça veut dire quoi? Attends-moi, j'arrive. Tu crois que tu peux me marcher dessus? Ça va pas? Dis-moi, es-tu aveugle? Qu'est-ce qui ne peut donc pas voir? Hein? Tu es aveugle? Qu'est-ce que tu dis? Oui, tu m'as entendu. Un instant. Donc, à la place d'ouvrir cette chose que tu appelles bouche et me présenter des excuses pour avoir chanté comme une grenouille, d'ailleurs ronronné comme une grenouille, tu as les culots de me demander si je ne vois pas? C'est quoi ton problème? Yonko, qu'est-ce qui ne va pas avec ta propre bouche? Toi aussi, tu peux t'excuser auprès de moi. Allez, dis désolé maintenant. Hein? Que je l'excuse? Présente-moi des excuses avant que je ne te frappe. Quelque chose ne va pas dans ta propre bouche. Je t'ai dit, présente-moi excuse-toi. Des excuses. Excuse-toi. Mensonge. Dis-moi que tu es désolé. Toi aussi, tu dois t'excuser. Tu refuses excuse-toi de le dire. Excuse-toi aussi. Tu ne vas pas dire toi désolé. Aussi, excuse-toi. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta propre bouche? Tu ne vas pas faire quoi? Mon ami, je t'ai... Présente-moi des excuses. C'est quoi ton problème? Es-tu malade? Tu refuses de me présenter des excuses. Tu me prends pour ton ami. J'ai pas envie de te frapper. Tu ne me connais pas. Présente-moi des excuses. Sinon, je vais te frapper. J'ai vite te frapper quand même. Arrêtez, arrêtez ça. Hein? Tu me prends pour ton ami? Non, laisse-la. Écoute, souffle. Viens. Mais arrête de me parler de ce monde. Laisse-la passer. Si tu es une femme, viens, je suis là. Tu me prends pour ton ami? Hein? Emeka. Idiote. Je vais quitter cette maison. Es-tu malade? Oh, maître l'avocat, tu es déjà là. Tu tiens l'air, je vois. Oh, vraiment, tout le monde est déjà là. Tu sais, il y a une chose que j'aime dans cette maison. C'est qu'il y a tellement de bonnes choses, surtout ce qui concerne l'alimentation. J'aime goûter aux bonnes choses. Assieds-toi. Tu es la seule qu'on attendait. Mais c'est l'avocat, vous avez la parole. Nous sommes tous là, donc on peut commencer. Ngozi, comment tu peux être aussi méchante? Toi, deuxième femme, tu oses dire à l'avocat de commencer pendant que moi je suis là? Je n'ai pas ton temps. J'ai hâte que les testaments soient lus pour que tu dégages de ma maison. Bien, qu'est-ce que je viens de dire? Nous n'irons nulle part. Hey, au cas où tu ne le sais peut-être pas, madame, laisse-moi te dire, nous sommes collés, serrés, scotchés avec cette maison. Nous n'irons nulle part. Nous sommes là. C'est ça, oublie ce que tu viens de dire. Ben, nous n'irons nulle part. Nous n'ébaucherons pas d'ici, silence, madame. Silence. Ah. S'il vous plaît, lisez les testaments. Merci. Comme vous pouvez le voir, tout a été déjà signé. Je vais l'ouvrir dans votre présence. Certainement, il n'y a rien de sérieux dans ce papier. Rien de bon ne sortira de tout ce qu'il dira. C'est évident. Regarde comment... Il fait tout. Imagine un peu. Mon ami, ferme ta bouche.
Chief Mbaliko, son dernier souhait et son testament. Ouvre bien tes oreilles. Tu me donneras. Je m'irai. Ça, c'est mon dernière volonté du testament. Si vous le lisez, écoute, ça veut dire que j'ai rejoint mes ancêtres. J'aimerais apprécier ma femme Ngozi et mes enfants. Vous avez fait mon dernier jour mémorable. Je vais partager ma propriété entre vous. Mes deux maisons dans cette ville vont chez ma femme Ngozi. Ma maison de Londres, sur la rue du Street, en Londres, est pour Emeka et Amaka. Et ma première femme, Odjougou et sa fille, elles vont garder la maison là où elles habitent. Et 5 millions de naira. Mon frère est un merveilleux homme. Je lui laisse 3 millions de naira. Voilà mon dernier souhait et mon testament. Me suis jusqu'à la fin. Signé le 22 septembre 2022. C'est tout comme testament? C'est tout ce qui est écrit? Ogo! C'est très bien, c'est très bien. Odjougou, tu as suivi l'avocat. Partant de ce qu'il vient de lire, tu comprends certainement que cette maison m'appartient officiellement. Alors je te donne maintenant une heure, juste une heure, de faire tes bagages et de débarquer de cette maison. C'est bien compris. Toi, écoute-moi, je vais te dire, toi, voleuse de mari, laisse-moi te dire une vérité. Ma fille et moi n'irons nulle part. Mensonge. Maman, maman, attends. Sinon, je verrai la police. Tu peux aller les appeler. Va appeler la police. Va appeler, la, va police. Appeler la police. Appelle-le. Oh, donc, tel que tu es là, tu as eu les kilos d'ouvrir ta bouche, ta sale bouche, pour dire que moi et ma mère, nous devons quitter cet endroit suite à ce testament que toi et ton amant, ton avocat corrompu, vous avez falsifié. Tu crois que nous ne savons pas, fornicatrice? C'est ton amant, tu sors avec lui. Avec ce testament arrangé, frappe-le. Passez de ma maison. Madame, des animaux que vous êtes. Sorcières, aussi violentes, bande de sorcières. C'est comme des villageoises. Partez de ma maison. Arrêtez de faire des troubles de ma maison. Sortez, sortez. Allez, sortez tranquillement. N'attendez pas ce que j'appelle la police. Partez. Allez-vous-en, sortez. Arrêtez. Tu n'entends pas. Sortez, partez, dégage, vite, dégage, pousse-toi là-bas. Allez au conseiller. Je t'avais dit, il n'y avait rien à t'inquiéter. Merci énormément. Il n'y avait pas les choix, il fallait les faire. Maintenant, elle est loin de ta vie pour toujours. Elle doit apprendre à gérer ce qui lui a été légué. Après tout, elle a commencé à jouer de son héritage bien avant nous. Tu vois, tu m'as rappelé. Tu m'avais promis pour des vacances. Qu'est-ce que tu en penses? Toi avec les vacances. Ça veut dire que le plaisir dont tu bénéficies de moi te donne des insomnies. Allez, réagis avant que tu ne m'acquises de changer de sujet. Parle. Ok. Tu me manques et tout de toi me manque. Ah, mais je ne peux plus beaucoup attendre. Chuxi, ça marchera bien évidemment. J'ai toujours tenu promesse. Je te sens. T'es fou, tu le sais, n'est-ce pas? Oh, Chuxi.
Impossible, ça n'arrivera pas. En même mais. Impossible. Mais, ton mari est très méchant. Comment peut-il te détester autant au point de tout léguer à ta co-épouse? Hein? Es-tu sûr qu'il est le vrai père de ta fille? Ferme ta gueule. Pas normal. Ferme-la. N'ose plus jamais sortir ces bêtises de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis? Écoute, je suis très sûre que mon mari n'a pas écrit ses testaments. Pour ça, je suis prête à gérer sur sa tombe. Ça, c'est ce qui vient de Ngozi. Puisqu'il n'a jamais voulu le bonheur pour nous. Ses testaments et la volonté de Ngozi. Ils se sont arrangés avec ce soi-disant avocat pour changer la volonté de mon mari en leur faveur. Ce n'est pas vrai. Ça ne marchera pas. Je leur promets que ça ne marchera pas. Oh. C'est faux. Oh, alors Né, que vas-tu faire? Dis-moi, c'est quoi ton plan? Qu'as-tu derrière mon la tête? Mon plan? Hé, Némon. Tu crois que je peux manquer à faire? N'est-ce pas que j'ai mes stratégies? Je vais récupérer ses biens. Ngozi se trompe. Il croit être vainqueur. Je vais récupérer ses biens. Sinon, moi, Ngozi, l'un de nous mourra. Nous mourrons dans cette maison. Je te soutiens. Je ne partirai nulle part. Où. Je reste là. Je me tiens derrière toi, ma belle. Agouai, je te soutiens. Oh, oh. Elle ne peut pas s'en sortir. Jamais. Comme ça. Ce n'est pas du tout possible. Oh, s'il te plaît, je te reviens. Laisse-moi finir avec cet habit. Je parle de tes semences, je parle des habits. Quand j'aurai ces biens, je changerai ta vie. Arrête de me raconter des bobards. Hein? Regarde-toi, je suis venue te faire une plainte. C'est de ton devoir de m'écouter. Tu dois m'attendre finir. Écoute, si j'ai cette fortune, je changerai ta vie. Écoutez comment elle s'exclame. N'es-tu pas fatiguée de porter ces habits usés? Je n'en paie plus. Allez, Buko, relax. Relax-toi. Je te jure que je vais en finir avec cette fille. Je me tiens derrière toi. Je te soutiens, ma belle. Tu dois te tenir jusqu'à ce que nous récupérons ce qui est à nous. Exactement. Je sais comment la voir. Pas besoin d'aller chez les Libyens, nous prendons beaucoup de temps inutilement. Je le sais bien, ma belle. Je veux les actions. Aïe. Elle se prend pour qui, cette femme? Quelque chose qu'elle n'a pas aimé. Nous l'aurons. T'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? C'est quelle question stupide que tu me poses? Hein? Je ne te vois plus d'ici là 3 mois. Dans cette condition. Pourquoi? Tu devais appeler au téléphone. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Épargne-moi des histoires. N'est-ce pas que je t'ai appelé en maintes reprises? Tu n'as jamais décroché. J'étais occupé. C'est ça. Occupé. Maintenant, pars. Chux, tu me demandes de partir? Aller où exactement? Oh. Tu seras avec une autre femme, pas vrai? Il n'y a pas de réponse. Chux, dois-je te rappeler que j'ai tous les dossiers te concernant sur moi? Chuck, si tu oses me nier, si tu oses nier, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu connais la suite. Dormir. Dormir où? S'il te plaît, pars. Je ne vais pas te voir aux alentours. C'est comme je l'ai dit avant. Ne me pousse pas. Tu sais de quoi je suis capable. Puisque tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Moi ça,
des jolies nanas. Oui, allô? S'il te plaît, permets que je te rappelle après. Wow. Viens, moi. Tu bloques ma vie. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Qu'est-ce que tu viens de dire? La maison de mon mari, il me l'a léguée. Si tu ne veux pas que je fasse quelque chose de drôle, pars de chez moi. Mensonge. Jamais, jamais de toute ma vie. Mensonge. Laisse-moi te dire une vérité. Cette maison m'appartient. Si tu crois avoir gagné cette maison par des arrangements que tu as eu à faire avec cet avocat, détrompe-toi. Tu es en train d'enfreindre la loi en désobéissant à la dernière volonté de mon défunt mari. Mon mari. C'est de lui que nous parlons ici. Tu m'entends? C'est moi sa femme légitime et non toi qui vole le mari d'autrui. À la moindre escarmouche, tu ouvres tes jambes pour les gens de dehors. Après quoi tu surjoues dans la maison d'autrui? Va-t'en chez moi vite. Moi, je ne le ferai pas. Tu ne veux pas partir, hein? Ok, d'accord. Donc tu pars de chez moi. Pars de chez moi. Allez, dégarpille. Hein? Moi? Des sottises. Ok, merci. Malade. Adieu, go. Mais qu'est-ce que tu fous? Que tu veux te battre avec moi? Mais tu es malade ou quoi? Tiens, pourquoi on va se battre? Qu'est-ce que tu crois? Tu ne prends pas que... Je vais te tuer. Ça, c'est un grand problème. Odjougo, ton mari t'a laissé quelque chose. Mais qu'est-ce qui te dérange encore? Toutes les femmes ici vont disparaître. Écoute, tu dois vivre là où ton mari t'a laissé la maison. Tu dois le faire. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Ibonyasi, t'es un menteur. Nani, tu mens. Qu'est-ce que tu sors de ta bouche? Écoute, je me fiche de ce que tu dis. Mon problème, c'est cette femme. Avec ce stupide avocat qui change la volonté de mon mari pour venir me tromper. Connaissant mon mari Mbazibé, un homme bon, et c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour nous. Et c'est ce qu'il a fait. Tu aurais dû être reconnaissant de la concession qu'il t'a donnée, toi et Adana. Toi et moi savons que si c'était notre homme, tu serais déconsidéré. Exactement. Itché. Oui. Itché. Hein? Mon Dieu. J'ai cru que tu avais de l'estime à ta personne et de ces chapeaux rouges que tu as mis sur ta tête. Mais non. Hein? Es-tu fou ou quoi? Itché. Elle ferait mieux d'attendre, sinon je ferai intervenir la police cette fois-ci. Calme-toi. Non, pas besoin de m'en empêcher. Tu n'as qu'à appeler la police. Appelle la police. Que j'appelle la police. Si tu n'as pas honte de ton ombre, fais intervenir la police. Tu crois que tu peux m'intimider? Écoute. Hein? Tu peux partir. Tu me trouveras sur ton chemin. Avant que tu n'arrives au bout du tunnel, je serai déjà là. T'es une honte. Hey, arrêtez. Mais je suis là, hein? Vous ne me voyez pas. Je vais te défigurer. Arrêtez ça. Toi, tu es une disgrâce pour cette communauté. Va. Ces gens m'ont frappé. Des anciens. Elle m'a frappé. N'importe quoi. Vraiment. Itché, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je ne vais pas ramasser mon képi. Non. Je vais les prendre. Pardon. Je vous dis pardon. Odjougo. Je ne vais pas les ramasser. Je vais les prendre pour vous. Odjougo, tu dois être puni. Tu dois être puni, Odjougo. Calmez-vous. Tenez ceci pour votre transport. Odjougo. Odjougo. Oublie-la. Ah. Ça, c'est juste pour calmer vos nerfs. Vous êtes avec moi. Hein? Nous sommes ensemble. Et qui j'y ramasse? Dis ça. Odjougo. Reprenez votre chapeau. C'est parce que tu es là seulement. De cette chaîne. Okay. Hein? À plus tard, d'accord? Au revoir. Hein? Odjougo. Hey. Détective David du département des commissariats. Voici mon collègue, Caporal Steve. Enchanté. Alors, qui me vaut ces chaleureuses visites? Vous devez venir avec nous au commissariat. Pour quelle raison? Lorsqu'on sera à la station, on va vous expliquer. Avez-vous un mandat, détective? Pas du tout.
Je suis venu juste pour vous inviter. Quelle station de police de ce quartier? Je serai là-bas dans 2 heures. Ok, on vous attendrait, monsieur. S'il vous plaît, c'est urgent. Allons-y. Monsieur, vous m'avez fait. Je ne vais pas te voir ici. Etché, personne. Aucun homme qui est né d'une femme me mettra en dehors de la maison de mon mari. À mon aimé, toi et moi savons que ton frère avait un bon cœur. Qu'est-ce que cette femme représente? Elle est allée arranger ses histoires avec le monsieur l'avocat pour m'empêcher de profiter de mon héritage. Ça ne marchera pas. Ojuko, écoute-moi. L'homme est comme ça quand il a l'affection pour sa famille, pour commencer. Mais pourquoi tu cherches toujours à aggraver les choses? Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous venez de dire? Ne vous inquiétez pas. Je vous prouverai le contraire. Je vous mettrai au parfum de tout ce qui se passe. Je vous laisserai voir la vérité, même si vous êtes aveuglé. Odigo, laisse-moi te dire. Je suis en train de t'avertir. Si tu as les oreilles. Si tu fais quelque chose, tu seras arrêté. Ne me pousse pas cela. L'avocat était très clair. C'est pour rien d'avocat, mon œil. Si tu connaissais la vérité, cet avocat mérite d'être tué. Non, dis-moi un peu, de quel avocat parlez-vous? C'est sûrement l'avocat qui joue un jeu avec Ngozi, il n'est même pas loyal. Ngozi, t'inquiète, tu me verras sur ton chemin. Je vais en finir avec toi. Naï, vous verrez de vos yeux ce qui va arriver. Ne vous en faites pas. Je t'avertis, Odigo. Je t'interdis. Ne me pousse pas à le faire. Naï, ne dites rien, mon. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Vous me donnerez raison. Tu seras arrêté. Je te l'ai dit toujours, ne me pousse pas à le faire. Tu seras arrêté et ça sera trop tard. Ton mari a déjà tranché la situation. Qu'est-ce que tu as prouvé, détective? Est-ce que tu réalises que ce sont des accusations? De quoi parles-tu? C'est à vous de me l'éclaircir. On travaille sur votre cas depuis longtemps. Et ce n'est pas la première fois. La première fois de quoi? Que voulez-vous dire? Vous aviez une cliente qui s'appelait Rufus, avec qui vous avez eu des problèmes. Elle est morte mystérieusement après 3 jours. Et ce cas est toujours dans le système. Après cet incident, vous êtes devenu le chef d'entreprise. Excuse-moi, détective. Peux-tu, s'il te plaît, me dire pourquoi je suis assis ici et écouter ces bobards? Il y a plusieurs preuves qui vous lient à ce système. Et dans les cas privés, tu es toujours impliqué dans ces crimes. Et tu as un large problème dans ce monde. Il y a une erreur quelque part, détective. Il souhaitait me les léguer. Et je lui ai servi presque toute ma vie, bien qu'il t'a légué. Posséder toute l'entreprise, ça c'est un autre cas. Il est mort mystérieusement. Et tu es à sa part. Je te demande. Donc, tu essaies de me faire croire que tu es le meilleur opportuniste dans cette ville? Session de spéculation. Et je vais te montrer que tu as tout faux. Tu es un très mauvais détective. Je ne ferai pas ça. Parce que c'est tellement évident. Des preuves te lient à la mort des chefs Manifaux. Et tu as des alliés. Comment tu as fait ça?
Comment tu peux l'éprouver? En tuant un homme, tu as pris sa femme, tu as pris son poste. Comment tu as fait ça? Je veux un accord. Après votre confession, accord ou pas de confession. Tu sais quoi? Je m'appelle Tony. Et je vais vous donner la chance de me défendre. Maman. Mon fils. Ça va? Est-ce que tout va bien? Oui, ça va, je vais bien. J'ai trouvé quelqu'un. Ojuko m'a demandé de la confronter devant la cour. Mais nous savons tous qu'elle n'a aucune chance. Je veux dire, une femme qui a rendu la vie misérable à son propre mari. Oh, bon sang. Cette femme n'a aucune honte. Hein? Elle est déjà perdante. Je crois que vous devez faire la paix. Essayez de partager cette propriété à deux. Vraiment? Oui. Ojuko est très ingérable. Elle est très têtue. Laissons juste au tribunal de faire son travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Là, ça sera dans son rêve. Elle sait qu'elle ne mérite rien de la fortune du chief. Elle ne veut pas accepter? Elle ne va jamais l'accepter. Oh, vu que c'est la première femme. As-tu oublié ce qu'ils ont dit? Jusqu'à ce que la mort le sépare. Attends un peu. Je ne te comprends pas. Comment tu as de la sympathie pour elle ainsi que sa fille? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Après que l'avocat ait parlé, nous les avons donné un peu d'argent. Elle devait être reconnaissante et heureuse. Tu es en train de blaguer. Et tu appelles cette ferme héritage? Sérieusement? Waouh. J'ai la conviction que quelqu'un essaye de t'arrêter. Je crois que maman fait la meilleure des choses. Mais cette histoire... J'ai besoin de rester seule. S'il vous plaît. Très triste. J'ai vu ta maman. Elle ne paraissait pas très contente. Bien? Tu sais, elle se donne la faute pour tout ce qui s'est passé. Elle s'attribue la faute pour ne pas être une bonne épouse. Tu sais, dans sa tête, elle s'est dit si elle n'était pas têtue, peut-être il n'aurait pas eu besoin d'avoir une seconde épouse. Oui. Dieu connaît le meilleur. Exactement. Il y a un objectif pour tout ce qui se passe. Oui. Maintenant, quels sont tes projets? J'espère que vous n'allez pas quitter le pays. Ah, non, non, non. Ma mère a déjà commencé à faire les arrangements avec le peu d'argent qu'elle a. Jusqu'à ce que nous soyons en mesure de contester ce testament à la cour. Et toi, quand vas-tu reprendre avec les cours? Demain, Hein? Demain? Et tu me l'as dit aujourd'hui? Excuse-moi de ne pas te l'avoir dite. Je savais que tu avais beaucoup de choses dans la tête, alors je ne voulais pas te distraire avec mes choix. T'inquiète, nous resterons en contact. C'est bon. Je tenais à te remercier pour tout ce que mon tu ami, as fait pour moi. Mon ami, c'est bon. Je te dois beaucoup, ma belle, pour être toujours là pour moi. C'est bon, ce n'est vraiment rien. Ne te dérange pas. Ah, c'est bien. Né.
C'est exactement ce que je disais. Oh, tu peux le dire encore. Oh, goua et wa. Allez, maintenant, donne-moi 5. Hey. On ne provoque pas et en sortir un tel. Tu es fantastique. Je te l'avais promis. Je t'avais dit que je m'occuperais d'Ngozi. Hein? Est-ce que tu sais que ce qui me dérange le plus dans ce problème, c'est le frère de mon mari. C'est pour rien qui se fait appeler Etier. Elle ose me conseiller de rentrer chez moi pour gérer le paix qui m'a été donné. Ben, imagine. Ça ne marchera pas. C'est impossible, ma belle. Sais-tu combien mon mari a laissé comme fortune? Mais ne parle même pas de ça. Nous tous, nous savons que ton mari était très riche. Et en tant que la première femme, tu dois hériter une grande partie de sa richesse. Non, tu as compris. C'est la raison pour laquelle j'ai amené l'affaire au tribunal, parce que c'est là que tout sera réglé. Exact. C'est là que tout sera exposé. Mais avant que je n'oublie, tu avais mentionné quelque chose concernant la police. Je comprends déjà. La police est en pleine investigation. C'est vrai. Ils finiront par être attrapés. Je ne suis pas du tout pressée. Quand je reviendrai la prochaine fois, je te raconterai l'histoire que tu as besoin d'entendre. Mais j'ai besoin de venir chez toi et voir cela de mes propres yeux. Parlons de venir chez moi, j'allais t'avertir, tu sais. Sache que je ne suis pas assez... pas de problème. Manger. Donc pour l'instant, nous serons faire les choses selon que nous les voulions. Hein? Pas de problème. On va gérer. Ok, c'est bon. Ne te dérange pas, je vais partir maintenant. On y va. Je dois aller voir mon avocat, d'accord? On se reverra plus tard. Je suis ravie de te voir. Regarde-toi. L'université t'a fait prendre du poids. Ha! Arrête. Tu me traites de grosse maintenant? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as toujours été là dans toute ma vie. Arrête. Dans ce cas, la famille te va bien. Oh! Hey! Désolée, oh. J'avais entendu que tu avais perdu ton père. Mais ça n'a pas du tout été facile. Tu sais, je continue toujours à me réveiller la nuit et me dire qu'il ne pleut. Et pour couronner les tout, sa femme essaie de nous voler notre héritage. Mais pourquoi ça, non? Tu parles comme si tu ne sais pas que mon père avait des femmes. Et tu sais bien comment ce genre de situation paraît difficile. Mais ta mère est une femme forte. À mon humble avis, cette femme avait envoûté mon père. Pourquoi es-tu étonnée? Ma belle, écoute ce que je vais te dire. Cet homme ne cherchait même pas à savoir comment on allait. Il nous avait complètement oubliés. Est-ce normal? C'est pas normal, ma belle. Et tu le sais bien. Voilà le problème d'une famille polygame. Je déteste ça. Ma sœur, s'il te plaît, accepte mes condoléances. Merci. C'est bon. Où est ta mère? Elle est sortie. Ok, c'est bon. T'inquiète pas pour moi. Tu me connais. Je le sais. Allez. Qui t'a dit qu'il était arrêté? Je vis les documents. Et j'ai constaté qu'il y a quelqu'un qui a tué mon père. Comment? Je l'ai vu moi-même. Mais pourquoi tu as fait ça? Mon père était un homme bien. Mais pourquoi tu as tué mon père? Mais est-ce que tu peux te calmer? Je ne vais pas me calmer. Attendons le résultat des investigations. Il n'y a pas à se calmer. Je veux aller à la station de police et je veux les avertir. Non, Emeka, assez. Arrête. Nous devons nous calmer. Maman, mais pourquoi tu les protèges? Nous sommes en train de parler de mon père. Tu devais m'encourager. Will it ever end? I don't know. Will it
Papa, je me demande souvent pour ça. Ouais, et ces concerts, ça marche toujours. On le fait toujours de la même façon. Ouais. Et voilà. En profitant de cette occasion, nous allons boire et fêter pour ça. Parce que ça ne vient pas deux fois. C'est la joie. Ça, c'est pour ton occasion. Vraiment pour moi. Pars de chez moi. Mes voisins se demanderont qui est cette folle de femme qui a envahi ma maison. Laisse-moi te chasser de cette maison. Va-t'en, sors. Je ne veux perdante. Pas te suivre. Je suis perdante. Là. Perdante. Déguerpie d'ici. Vite. J'ai donné à ton mari ce que tu étais incapable de donner. Commence à partir. Commence à partir. Je suis collée, cimentée ici. Je ne veux pas partir. Laisse-moi te dire une chose. Peu importe ce que tu feras, sache que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas sous ton charme. Tu ne mourras pas sous ton joug sorcière. Niala. Tu as été récupéré du fin fond du village. C'est là que tu appartiens. Te mettre sous un charme, quel est le coin que tu ne connais pas dans cette ville? Tu dis que tu n'as jamais consulté les fétichères. Je t'ai chassé de cette maison. N'est-ce pas que c'est à cause de tes œuvres maléfiques? N'est-ce pas que tes clients te fétichères? Tu n'importe quoi, tu partiras d'ici. Toi, cette femme est hantée, laisse-moi te dire. Moi, Ojuko, je ne partirai jamais d'ici. Tu partiras, je ne le ferai jamais. Je vais te frustrer dans cette maison. Et me faire ta vie misérable, juste comme tu l'as rendue à mon mari. Sais-tu qui tu es? Efebo Mami Wata. Oui. Mm-hmm. La particularité avec toi, tu n'es pas une simple Mami Wata. Tu es la pétasse de Mami Wata. Tu ne restes pas sur place. Écoute, c'est comme ça que me désigne. Qui se trouve là en bas, entre tes jambes, est ouvert comme la mer. Oui. Et sauvagement ouvert, au point que le poisson lui a sorti. Il y est entré, Maria. Cède. Les motos, c'est pour ça qu'il m'a préféré à ta place. Ton mari est fan. Terre, il accède sans roulage. Honte à toi. Les chenilles. Et qu'en est-il du tien? C'est tellement sacré. Qu'en est-il de toi? Pourquoi tu n'as pas utilisé la même chose pour les retenir? Pourquoi? As-tu ce rôle de la mère à moi? Des gens comme toi. Je t'ai montré qu'est-ce que mon mari est capable de faire. Tu m'aimes tuer. Tu m'aimes tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi. Excusez-moi. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi. Laisse-la. Libère-la. Imbécile. Désolé. Ose encore m'approcher. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Je m'appelle détective David et je viens du commissariat. S'il vous plaît. Ah mais les criminels sont là. J'espère que tout va bien. Je l'espère aussi. Et parmi vous, qui est la dame Ngozi Baifo? La sorcière, elle est là. Je n'ai pas honte de mon nom. Laisse-moi répondre moi-même. Ce n'est que le début. Je m'appelle madame Ngozi. Très bien. Vous devez venir avec nous à la station. Hein? Oui. Je ne peux pas perdre mon nom. S'il vous plaît. Allez-les. Tcha. Lorsqu'on sera là-bas, allez, on va tout vous Tcha. Je ne te laisse pas te montrer. C'est bon, madame, c'est bon, c'est bon. Il la touche pas. C'est bon. Je te reviendrai. C'est bon. On verra bien. Allons-y. Suspecte. Allons-y. Bien, on part. Allons-y. T'inquiète. Je te reviendrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te reviendrai, je vais en finir avec toi. C'est fini entre moi et toi. Je te reviendrai. Madame, calmez-vous. Je viendrai m'occuper de toi. J'ai dit calmez-vous, madame. Calmez-vous. Je te reviens dans 10 minutes. Allons-y. Partons. Je vais m'occuper de toi. Partons. Je te reviens dans 2 minutes. Détective, s'il te plaît, enferme-la derrière le barreau. Jetez la clé au fleuve Niger. Ou encore, tu peux le passer aux êtres marins. Excuse-moi, madame. Oui. Tu peux partir. Ah, mon Dieu, tu es un Dieu merveilleux. Ah, Dieu tout-puissant, Dieu des armées, tu as enfin levé ton javelot pour me faire justice. Ça, c'est ma maison, mon héritage. Personne,
Personne ne me les ravira. Tu seras dirigé vers la cellule de prison. Il n'y a rien sous ce soleil qui ne restera caché. Je dors en style. Rock my baby on the treetop. Comment tu peux t'asseoir ici en faisant rien du tout, tandis que maman se trouve au poste de police? Hein? Qui veux-tu que je fasse? Ah! Emeka, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Ou soit, il y a quelque chose qui se passe que j'ignore? Ok, s'il te plaît. Peux-tu vraiment me dire ce qui s'est passé exactement? En tout cas, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tellement confus. Je ne sais même pas ce qui se passe ici. Confus? Oui. S'il te plaît, commence quelque part. Essaye de trouver pourquoi maman va régulièrement dans cette station de police. Écoute, je vois que tu as oublié. Tu es maintenant l'homme de la maison depuis que papa n'est plus. Et tu dois maintenant t'élever et étudier comment prendre tes responsabilités. Je suis sûre que papa doit retourner dans sa tombe. Juste pour voir comment sa femme continue avec ses embarrassements. Ça prouve que maman et l'avocat sont des mèches. Alors pourquoi vous ne les arrêtez pas? Tu n'as pas répondu à nos questions. Les questions d'enquête. Quel questionnaire! Ma mère, c'est une criminelle et elle doit payer pour ses crimes. Tu ne peux pas croire à tout le monde. Tu ne peux pas être sûr. Tout le monde. Tu ne parles pas comme quelqu'un qui fait l'enquête. Parce que tu aurais déjà compris immédiatement. Depuis que je m'avais amené ici, ça fait déjà plus de 2 heures. Suis-je sous un mandat d'arrêt? Que devrais-je dire? J'étais amené ici pour répondre à certaines questions à propos de M. Tuks. C'est notre avocat familial. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Rien. Rien pour le moment. Tu sais, je ne sais pas si tu te rends compte. Si je demande, quand est-ce que vous êtes vu pour la première fois avec M. Just? Ça fait beaucoup d'années qu'il a été mené à la famille par mon mari. C'est lui qui s'occupait de tous les problèmes que nous avions avec la justice. C'est un homme très confident. Sans lui, je ne saurais faire face à la vie quand mon mari était mort. Es-tu sûr? Très sûr. Parce qu'il a dit que tu es la seule qui a tué ton mari. Non, mais c'est lui qui était l'initiateur de ce plan. C'est bien lui qui l'a tué, pas moi. Non, je ne l'ai pas tué. Comment ça a été? Ça devient compliqué. Il refuse. Je continue à me demander pourquoi tu as arrêté de faire ce que je t'avais dit de faire. Nous devons faire très attention. Je dois prendre mon temps. Nous n'avons pas le temps. Et c'est le moment que nous devons agir. Ou bien tu as la compassion? Comment je peux développer ces pensées au père de mon fils? Je ne te comprends plus là. Qu'est-ce que tu veux dire par le père de tes enfants? Jungs, je suis autant intéressée à ces problèmes que tu ne le penses. Et pour ton information, Emeka est ton fils.
Ah, ok. Viens dans mon bureau et vous allez donner ça à ma secrétaire. Elle s'appelle Chiama et elle va vous l'envoyer. Ok, merci. Ah, merci. Quitte dans mon bureau. Peu importe la substance qu'on mettra dans ces livres, cela te donnera un arrêt cardiaque. Attends, Tuxi. Tu me demandes l'impossible. Rien n'est impossible. Le plan est tellement simple. Nous devons avancer. J'ai déjà fait l'arrangement. Quel arrangement? Donne-lui juste ses livres. Il y a déjà les substances. Dans quelques poussières de minutes, il mourra. Je ne comprends pas. Peux-tu l'expliquer? Je sais qu'il est comme un lapin. Lorsqu'il va mettre ses doigts dans la bouche, avant d'échanger la page dans le livre, et dans ses livres, à chaque fois qu'il mettra le mets dans la bouche, il prendra les substances et qui va entrer dans le système, qui va les tuer lentement. Laisse-moi encore le comprendre. Tu me demandes une chose impossible. On en a déjà parlé. C'est un plan vraiment parfait avant que je le fasse au chef, ok? C'est le moment d'agir, hein? Nous devons avoir cet argent. Une fois la substance répand sur tous les livres, il aura un arrêt cardiaque. Alors je ne te trouverai pas de l'eau.
Chief, est-ce que ça va? Tout va bien. Hein? Chief, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi aller te trouver de l'eau. Je ne dois donc pas lui apporter de l'eau. Décidément, je préférais perdre un peu de temps pour qu'il n'ait pas le temps de survivre. Chief, s'il te plaît, bébé, essaie de prendre de l'eau. Prends de l'eau, ça va te soulager. Tu vas mieux te sentir. Chief, prends de l'eau, non, même un peu. Hey. Allez, Chief, s'il te plaît, ne te fais pas de mal. Je suis là. Allez, Chief. Tu faisais de faire une effort de commencer deux, non, Chief? Mais qu'est-ce qui se passe? Hé, endosse-toi sur l'oreiller. Chief, s'il te plaît, arrête ça. Les enfants ne sont pas à la maison, nous sommes restés qu'à deux. Apaise-toi, non? Qu'est-ce qui se passe? Chief, arrête. Je suis désolée, s'il vous plaît. Tu es méchante! Parle-nous de tout. Tu avais une équipe pour exécuter ton plan, pour tuer ton homme. Parle de ses complices. Il m'a menti. Il avait les intentions de me charger pour que je sois considéré une meurtrière. Tu vois les problèmes? On t'a jamais cité.
vous m'accusez d'assassin. Ah oui, je l'ai dit. Pour que tu me donnes les éclaircissements de l'équipe avec laquelle tu as collaboré. Oh, merci. Maintenant, on a toutes les preuves. Toi-même, tu as confessé. Voilà. S'il vous plaît, pitié. Dans quel pétrin je me suis foutu moi-même. Un détective, s'il vous plaît, nous pouvons toujours faire quelque chose. Et pitié, oh pardon, je me suis mis dans un piège. S'il vous plaît, détective, non, je ne l'ai pas tué. C'est lui qui l'a tué, c'est lui qui avait établi les plans, et non moi. Dans quel pétrin je me suis foutu et je me suis mis dans un piège. Finalement, je me demandais si vous allez trouver la réponse. Où sont les travailleurs? Il n'y a pas de travailleurs. Quoi? Ok. Si tu n'amènes pas mon deal, c'est fini. Elle a confessé. Hein? Elle a tout parlé. Qui? Ngozi, tu lui as parlé? Hein, écoute, détective, tout ce qu'elle vous a parlé, c'est du mensonge. Ne la croyez pas. Elle est venue m'accuser aussi que j'ai tué son mari. Hein? C'est pas tout ce que tu dis. Parce que nous avons toutes les preuves possibles pour vous poursuivre du meurtre. Et toi en particulier, pour deux meurtres. C'est ça. Tu dis n'importe quoi. Au lieu d'accuser une autre personne, mais vous voulez ma mère, hein? Elle l'a aimée toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ce que nous avons. Comment? Bon, cette histoire est dans le main de la police. Oui. Est-elle innocente? C'est la police dont j'y ai. Elle est vraiment méchante. Bon, je suis désolé que tu aies passé cela. Mais la justice de Dieu, il y en a. Finalement, on a trouvé les coupables. Bien sûr. Tout ça, c'est à cause de toi. Non, pas ça. Non, ça, c'est une équipe de collection. Lorsqu'il était en train de parler, quelque chose me disait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je sais. Et à cause de sa réputation, je dois creuser profond. Et je dois chercher profond. Hein? Et là, tu auras ce que tu cherches. Absolument. Regarde les gens qui meurent pour rien. Hein? Il n'y a pas d'amour dans ce monde. Non, il y en a, contrairement. Il y en a suffisamment d'amour pour aller de travers. C'est ça même l'ironie. Vous savez. Emeka, je fais tout ceci. Pourquoi tu as fait ça? Tu as tué mon père. Pourquoi tu as fait ça? Il n'est pas ton père. Quoi? Maman, quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Dis-le-moi! Le chef Manifou n'est pas ton père. Le chef Manifou n'est pas ton père biologique. C'est l'avocat Chuxi qui est ton père biologique.
Je suis désolée. Et très, très désolée, mon fils. Maman. Je suis navrée. Je suis désolée, mon fils. Je suis désolée, pardonne-moi, mon fils. Je suis désolée. Désolée. J'ai fait tout ceci pour assurer votre avenir. Désolée. Pardon. Ce n'est pas sûr. Je ne crois pas. Non! Tu fais que me décevoir, maman! Chère dame, c'est le moment. Ah, mon cher mari, pardonne-moi. Je te demande pardon, mon chéri, je suis désolée. Je suis désolée, désolée pour tout, bébé. Je souhaite que tu sois présent pour que je t'étale ma vérité tout entière et que je te dise la vérité. Exactement. Non, non, mais essaie de te rappeler de ce qui s'était passé la fois dernière. Exactement. Tu sais quoi, ne t'inquiète pas, laisse-moi d'abord le voir. Je te tiendrai au courant de tout ce qui va se passer, ok? Bye. Ah, ah, mais c'est quoi le problème, non? Passe-moi la télécommande. Ah, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah. Sais-tu que tu n'as pas de manière? Es-tu folle? S'il vous plaît. S'il te plaît, maman. Je ne veux pas avoir de trouble avec toi. Donne-moi la télécommande. Il me reste qu'un peu de minutes pour mon émission préférée. Pourquoi tu fais ça? Tu as vraiment de l'audace. Tu n'es pas bien éduquée. Moi, je veux regarder la télé. Toi, je me parle de ta série préférée. C'est très évident que tu n'as pas de manière. Malheur à toi. Et pourquoi même je suis en train de parler? Qu'est-ce qui est Ngozi? Ngozi? S'il te plaît. Je te respecte, oh. Je te respecte depuis que tu es venue dans cette maison. Tu ferais mieux de fermer cette Laisse-moi gueule. Tranquille. Tu ne manques jamais à dire. Je me demande, est-ce que tu as eu le courage de m'adresser la parole? Ça veut dire quoi? Que veut dire tout ceci? Dans ma maison. Ta série préférée. Hey! Tu as vraiment de l'audace. Tu crois que c'est toujours le temps de plaisanter? Ah ah!
Dia, toi, cette singe, reviens ici, vite. Ok, y a pas de souci. J'ai repris en charge, c'est moi la gérante ici. Cher Adjougo, certainement tu seras surprise par cette lettre. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Je t'ai maltraité et déconsidéré. J'ai réalisé après que ce n'était pas juste de vendre. Si au moins j'avais écouté tes conseils au sujet d'Ngozi, son infidélité et toutes ces choses. Malheureusement, c'est après beaucoup d'années que j'ai découvert ces choses à son sujet. Elle m'a trahi jusqu'au point de sortir avec l'avocat familial. Et il est allé jusqu'à faire un enfant avec lui. Je suis restée dans le suspense. Je ne pouvais non plus le lui dire à Umeka. J'ai été choquée et très déçue. Ngozi jouait à l'innocente, pourtant c'est une grande meurtrière. Quand j'ai appris ces choses, je n'avais plus d'autre choix que d'aller visiter la justice pour refaire ma volonté et réécrire mon testament. À l'établissement Père Zetou numéro 10, sur l'avenue Aziko, à Lagos. Une fois que tu y es, demande l'avocat Oki Okaro. Il va te donner mon testament. Ngozi doit partir de ma maison dans l'immédiat. Les héritières de ce testament sont mes deux filles. Je te prie d'accepter Meka comme ton fils et te rendra fière un jour. Dis à mes enfants que je les aime tous. S'il te plaît, vivez dans l'harmonie. Je t'aime. Juste avec ta nature belliqueuse.